Allô? Salut, est-ce que tout le monde m'entend? Stéphane, c'est toi qui viens de parler? C'est moi, c'est moi. Salut Stéphane, bah écoute, c'est pas moi Salut. qui suis censé être l'hôte, donc j'attends que les autres arrivent, mais en tout cas, on t'entend bien, si tu veux savoir. Bon, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Si vous Salut tout m'entendez. le monde, comment vous allez? Oh Salut, non, ça va? salut Martine, salut les gars, salut Thomas. Ah, c'est Vous bon, c'est bon. m'entendez Mais bien? bien. Mon téléphone fonctionne, est-ce que tout va bien? Oui, Thomas, Oui. parfait, parfait. Tu as un Oh bon là là. réseau Wi-Fi, ne change rien, ne bouge pas. On sait que c'est un exploit pour toi, donc on va essayer de rester sur cette dynamique, Thomas. Allez, Thomas, présent avec nous. Tac, tac, on attend, ben, on attend l'invité. Stéphane, Il est il était parti. là? Non, l'invité, ouais, il était là, il est parti. On attend aussi un énième chroniqueur que je vais présenter. De toute façon, vous aurez chacun votre présentation, vous inquiétez pas. Et en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui nous suivent sur le Space 013. N'hésitez pas à commenter, voilà, à poser des questions à l'invité. On les relira, il nous répondra. Il n'y a pas de souci, ça se passera bien. Et on passera une bonne soirée tous ensemble. Voilà, il y a beaucoup de monde qui se connecte. Et on remercie 13013 pour voilà, pour la diffusion de ce live. Et on espère passer tous ensemble une bonne soirée. Bon. Je suis très ému. J'attends. C'est Thomas, ça? Oui, c'est bon. Thomas, Bon, moi c'est bon, moi. toi, c'est bon? Parfait. C'est la première fois que je fais ça, du coup, soyez indulgents, mais normalement, tout va T'es bien. malade ou quoi? La pression, elle est sur nous, la pression, elle n'est pas sur toi. Ah, T'inquiète pas, ça va bon, bien se ça va passer. alors, ça va. J'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Bon, envoyez un message à Azir pour qu'il se connecte, parce que là, Ah, il est je toujours en pense qu'il. retard, hein. Ouais, là, On l'a passe ton ballon, c'est compliqué. Parfois il dort Ah le ouais? soir. Et Mais tu sais quoi, je l'ai appelé tout à l'heure, il avait une voix, du oh purée, toi tu sors de la sieste, toi. Mais lui, il arrive à faire des siestes nocturnes de 20 h à 22 h. Je sais pas comment il fait, mais on l'adore. Ouais, c'est. Bon, on va attendre encore un petit peu. On va encore attendre un petit peu, on va voir. On va voir. L'invité, en tout cas, il restera avec nous aux alentours de 21h30, si je ne me trompe pas, il nous quittera pendant quelques minutes. Et C'est ça, ouais. on le remettra dans le live. De toute façon, voilà, juste tu coupes ton micro, on comprend que tu es parti. Et voilà, on te mettra sur le live. Donc, Parfait. Amaya, si tu peux joindre Azir, au moins on commence tous ensemble l'émission, au moins il ne part pas le fil. Et on part pour 2 heures, les amis, de 21h à 23h. Donc, reste avec nous et on va kiffer tous ensemble pour ce Space 013 avec Stéphane Paragna qui sera avec nous pendant 2 heures. Donc, bon, Azir, vous savez quoi? On le mettra une sanction financière, Azir. Voilà. Ouais, Il je viens d'envoyer sera. un texto à l'instant, tu vois. Une petite amende de retard, ça fait pas de mal. Comme on est Non, d'habitude. ah, oui, c'est ça. Hein, c'est à Marseille. Hein, on est coutumier du Ah, fait. c'est ça, on a l'habitude. Donc, Thomas, c'est bon, tu es toujours là, toi? Je suis toujours là. Bon, ça va, l'euro, tu kiffes? Ben écoute, ouais, je suis tombé sur le seul euro où il y a 28 matchs en phase finale et 74 prolongations. Voilà. Ça fait un mois que je dors pas, mais tout va bien. La France, ils nous ont plombé notre euro parce que voilà, ça a flingué tout l'engouement sur notre antenne un petit peu, quoi. Mais bon, on est très content de l'euro. Voilà, il y a pire, hein. Il y a pire comme taf. Donc, non, non, très, très bon euro. On aura une très belle finale. Et puis, tout sauf l'Italie, quoi. Hein, quoi? Pardon, excusez-moi. Ah, tout sauf l'Italie, pourquoi? Excusez-moi, pardon, pardon. Et toi, Mayès, supporter des Fenech, comment le vécu 7 euros? Il n'y a pas l'Algérie, là, du coup, ça te Non, manque? Ça te manque? non, je suis moitié français, moitié algérien. Non, je supporte les deux. J'ai même eu la chance d'aller à Budapest pour voir Hongrie-France. Et non, déjà, c'était un kiff de retrouver un match de ballon avec des tribunes pleines et tout, même si Sûr que c'était de je la chance? profite de. Si, c'était de la chance, mais je profite justement de cette tribune pour dire que les ultras hongrois sont un peu débiles, ce qui est un peu dommage. Ils ont cherché la merde pas mal de fois, donc je trouvais c'est un peu minable comme comportement. Mais bon, ça n'enlève pas le plaisir d'être allé là-bas et d'avoir visité cette belle ville qu'est Budapest. Et toi, Stéphane, du coup, est-ce que tu as pu mater beaucoup de matchs? Est-ce que tu kiffes 7 euros? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai un peu suivi l'Euro. Bon, après, j'ai pas suivi tous les matchs. J'ai surtout suivi les matchs de l'équipe de France. Un peu déçu quand même de l'équipe de France sur le match face à la Suisse. Voilà, on pourra en reparler, je pense, par rapport à la tactique de début de match et surtout la fin de match quand tu gagnes 3-1 à ce niveau. Je pense que te faire remonter 3-3 sur des erreurs qu'ils ont pu faire, c'est pas très acceptable. Mais après, c'est le football. Voilà, c'est la magie du football. C'est la surprise des petites équipes aussi avec la Suisse et on a pu voir le Danemark aussi qui a fait un très bon euro.
Donc ouais, après je suis content pour moi, je supporte aussi l'Italie parce que je suis originaire d'Italie, donc voilà, c'est la Ah France là et là là l'Italie. là. Du coup, voilà, en finale, j'ai quand même un intérêt à regarder cette finale. Eh bien, parfait, voilà. Eh bien, tu vois, toi, t'as de l'intérêt à regarder cette finale et nous, on a de l'intérêt à accueillir notre ami, notre chroniqueur. Alors, on va te présenter. Il connaît mieux le centre de formation de l'OM que je connais ma famille. Pour lui, le football est un spectacle et le ghetto lui donne son charme. J'ai eu la chance de commenter plusieurs matchs à ses côtés et j'ai constaté que son œil est l'un des plus avisés. Monsieur Azir Tchèque Mohamed, arrobas Carter Chenine, est avec nous. Salut Azir! Oh, quelle présentation! Quelle présentation! La pression! Azir, combien coûte l'amende de retard à passe ton ballon? Faut demander à Maïs. Faut demander à Maïs. Non, on va laver le linge salon en famille, comme on dit. En famille, ouais, pas en public, c'est pas le Ouais, parce moment. que là, on a deux chroniqueurs de l'équipe de passe ton ballon, pardon, qui sont avec nous. Donc, on va en parler. Ok, vous êtes en famille, mais vous allez quand même nous dire comment ça se passe dans votre formidable émission tous les lundis soirs. Là, c'est un peu les vacances pour vous. Et voilà, en tout cas, un kiff de vous écouter, beaucoup d'invités et un plaisir. Il y a aussi avec vous Mathieu Maurice est là et Idriss Kasmi, qu'on embrasse. Et voilà, un gros kiff de vous écouter. On va continuer les présentations, même s'il a déjà parlé. Alors, on se rappelle tous de ce 28 juin. Nous étions hypés par ces matchs spectaculaires entre la Croatie face à l'Espagne et la France qui s'inclinait face à la Suisse. Mais lui n'avait d'yeux que pour ce match entre un chief. Sa vision de jeu lui permet de découvrir les pépites, notamment passées par le tournoi Maurice Revello du tournoi de Toulon. Monsieur Amaïs nous fait l'honneur d'être présent. Salut Amaïs. Ben, salut Nordine, très belle présentation. Après, tu as juste choisi un club rival de celui que je supporte, t'as dit Mouloudia d'Alger. Moi, c'est la GS Kabylie, ça peut me plaire. Mais c'est vrai que toi, ce jour-là, je sais que tu as kiffé, tu regardes le football, la D algérienne, je sais que tu suis en parallèle. Ça va, le niveau, il est comment? Ah, en Algérie, tu as de bons joueurs, hein. Honnêtement, techniquement et tout, mais après, c'est juste les infrastructures, on va pas se mentir. Il y a certains clubs où on est très très loin des standards, ne serait-ce que d'un club de national ou un truc comme ça. Hein. Mais bon, le talent brut est là, comme vous avez tous pu le voir ces dernières années, avec des mecs qui viennent directement du bled, comme Youssef Attal, Rami Ben Sebaïni, etc., et qui jouent dans des bons clubs désormais. Donc le talent existe, il faut juste l'accompagner. Ah, il y en a un qui va nous accompagner juste après toi, pardon, le troisième chroniqueur, ayant fait des études dans l'art. La logique a été respectée car il est l'animateur vedette d'une émission de football, en l'occurrence le Winamax FC. Cette émission qui embellit notre TL et nous en joue, même après une bouillie tactique que peut nous servir notre ami Sylvain Ripoll. Je le remercie pour sa présence sur ce space et j'ai juste envie de lui dire, vas-y garçon, on est juste là pour t'accompagner. Thomas Bonavent, messieurs dames, est avec nous. Salut Thomas. Salut, salut tout le monde, salut Nordine, salut tout le monde, salut Stéphane. Mais Salut. merci beaucoup pour l'invitation, merci pour cette très belle présentation. Je te remercie Nordine, c'est un honneur d'être avec vous. Un plaisir de t'avoir, Thomas. Donc, tu nous as parlé de l'euro, là, du coup, ton actualité, t'es focus sur la finale. Ça va, ça se passe bien, Winamax? Ouais, ça se passe très bien. Écoute, on prend beaucoup de plaisir à être sérieux sans se prendre au sérieux sur notre antenne. On a voilà une bonne bande de potes. On se marre bien, on parle ballon, voilà, on regarde des matchs toute la journée. Et puis de toute façon, bon, ma seule préoccupation maintenant footballistique, c'est de profiter du Clermont Foot durant cette saison de Ligue 1 qui s'annonce. Ah Voilà, là 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 ça là sera là. mon seul et unique bonheur, avec bien évidemment l'Olympique de Marseille que je suis de plus en plus, mais c'est ce qui m'excite énormément à court terme dans le football. Et c'est pas mal, clairement. On espère que leurs velléités offensives, on va dire, auront du succès dans cette Ligue 1, parce que ce qu'ils ont fait en Ouais. Ligue 2 au niveau du jeu, tout ça, c'est j'ai trouvé Ah bah. ça cohérent et sympa, moi. Eh ben, on va suivre, moi, non, on va suivre ça. J'espère que ça fera pas un gros flop comme ces équipes qui sont montées pour la première fois et qui n'ont pas su gérer le pas. Je fais confiance au coach et à tout le board de rester sur cette philosophie. Je suis persuadé que ça permettra de faire des pas de belles choses, mais des choses au moins intéressantes qui vaudront le coup d'œil, quoi. C'est déjà le plus important. En tout cas, tu as un discours de président, je te vois bien, t'es impliqué à 100% dans le club. Allez, on va continuer. La reconversion est partie. Je voilà, je lance un appel. Mais voilà. Allez, on va continuer, on va présenter l'invité. Né à Marseille, il a réalisé son rêve en jouant pour son club de cœur, l'OM. Ce défenseur central a eu la chance de croiser sur sa route, pardon, l'homme en survêtement, le grand Marcelo Bielsa, et aussi le plus élégant Michel. Ce qui a fait la différence dans sa carrière, c'est son calme ainsi que son intelligence de jeu. C'est probablement ceci qui lui a permis de rebondir après son passage marseillais.
Passé après à Auxerre, il s'est envolé au Portugal pour jouer au Boavista FC et depuis deux saisons à l'Union Desportiva Vilafranquense. J'ai révisé la prononciation. Ouais, Stéphane Sparagna, premier invité de ce Space 013, est avec nous. Salut Stéphane. Salut, bonjour à tous. Ben, merci pour l'invitation déjà. Et ben, j'ai hâte qu'on discute tous ensemble et qu'on revoie un peu tout ce petit parcours que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ton parcours et ton avis aussi sur le foot nous intéressent énormément. Ouais, avec plaisir. Du coup, là, ben, t'es en vacances, t'es plus en vacances, tu fais quoi actuellement? Non, ben, moi, généralement, là, j'étais en fin de contrat, du coup, en D2 portugais, donc dans le club que t'as cité, Vilafranquense. Et là, je suis libre tout contrat, donc cet été, j'ai vraiment travaillé tout l'été en termes physiques et tout ça pour rester prêt. Et là, actuellement, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis dans un club de Marseille que je connais, tu vois, pour justement garder le rythme niveau football et m'entraîner avec une équipe, le temps de trouver un projet qui me convienne, un projet correct en France en priorité, et après dans un meilleur championnat européen, en une Ligue 2 pour rebondir et pour me refaire voir dans les radars européens. C'est vrai, parce que là, avec ce club de la ville de Lisbonne, vous avez fini 17e de D2 portugaise. Donc du coup, c'est, si j'ai bien compris, c'est la relégation, c'est ça? Ouais, c'est relégation. Moi, j'étais allé là-bas de base parce que j'avais besoin de jouer. Ma fin d'aventure à Boavista s'est un peu mal passée dû à une blessure au ménisque qui a été mal soignée là-bas. J'ai dû revenir en France me faire soigner avec le Christophe Baudot, l'ancien docteur de l'OM, qui m'a remis sur pied. Et après, ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Du coup, après plusieurs mois sans jouer, c'était compliqué d'avoir des clubs. Et j'ai rebondi en D2 justement pour avoir du temps de jeu. Et ça a été chose faite cette saison. Et là, du coup, j'attends le bon projet, on va dire, pour rebondir bien comme il faut. Ah, voilà, donc tu nous dis actuellement que t'es sur le départ, que tu vas quitter le club portugais et que tu cherches un nouveau projet. Voilà, je l'ai déjà quitté parce que j'étais en fin de contrat. D'accord, donc là, actuellement, je suis libre de tout contrat et libre de signer où je veux, quand je veux. Et c'est pour ça que j'ai privilégié le côté sportif et pas prendre de vacances, on va dire, pour me préparer à fond et rester prêt à la première occasion. En plus, j'allais te demander, tu as passé de bonnes vacances, tu étais où, tu as fait quoi ces vacances? Ben, ces vacances, ça a été gymnase, maison, gymnase, maison. rien de fou, avec le Covid en plus, c'était compliqué pour bouger. Donc ça m'a un peu arrangé. Après, voilà, évidemment que j'ai un peu profité entre amis, avec la famille, ça fait du bien de revenir parce que quand on est à l'étranger, c'est sûr qu'il y a le manque. Donc voilà, mais je me suis axé quand même sur le côté sportif et sur ma préparation physique. Ah, c'est bien, c'est sérieux. Et mental, c'est sérieux. Aussi, j'en ai profité pour travailler un peu tous les aspects dont le sportif a besoin, en espérant que ça paye. Hein. On va continuer, on va parler de ta formation, du coup. Tu étais à l'USPEG, en jeune, et puis tu as intégré très tôt le centre de formation de l'OM. J'ai vu sur Transfermarkt, ils disent depuis 2002. De 2002 à 2012, tu as été en centre de formation de l'OM. Déjà, est-ce que les dates sont bonnes? Et après, je vais laisser les chroniqueurs qui sont avec moi te poser des questions sur ta formation. Pour être honnête, les dates de tête, là, je ne les ai pas, les dates exactes. C'est bon, t'es né là-bas, en fait. Voilà, mais l'USPEG, ça a été vraiment dès le plus jeune âge. Voilà, c'était un club de quartier à côté de chez moi. Donc, je crois que j'ai quitté le club à l'âge de 7-8 ans. Hein. C'est très jeune, je suis arrivé en débutant deuxième année à l'OM. D'accord. Et de là, j'ai fait toutes mes classes jusqu'à signer pro en 2015 ou 2016, il me semble. Enfin, vers là, quoi. Et quoi, donc, du coup, tu as fait toute ta formation à l'OM, tu as connu énormément de coachs sur lesquels on reviendra, on en reparlera. Il y a Azir qui voulait s'exprimer sur ta formation à l'OM, qui avait une question à te poser, si je ne me trompe pas. Azir, tu peux, c'est parti. Et les gars, intervenez quand vous voulez, coupez-moi la parole, faites ce que vous voulez, et moi je gère, vous inquiétez pas, qu'on passe un bon moment jusqu'à 23h. Azir, je t'écoute pour ta question. Ouais, moi déjà, j'ai ma première question avec le recul aujourd'hui, tu peux, on va dire, parler assez librement, puisque tu es plus... plus à l'Olympique de Marseille. Ouais. Est-ce que avec le recul aujourd'hui, au niveau de ta formation, vu que tu as vraiment connu toutes les classes dans ton parcours en jeune à l'Olympique de Marseille, quel est ton regard, ton avis sur la qualité de la formation que tu as reçue tout au long de ces années? Je te dis ça parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui sont passées par le centre de formation, des gens qui sont à peu près de ta génération d'ailleurs, ouais, et qui, pour certains d'entre eux,
m'ont dit que à un moment donné, pour certains qui ont connu notamment les équipes de France de jeunes comme toi, qu'en comparaison avec certains de leurs coéquipiers qui étaient dans des centres de formation comme Sochaux, comme Auxerre notamment, ils sentaient un décalage sur le plan qualitatif par rapport à ce qu'ils ont pu apprendre dans leur jeunes années. Est-ce que c'était ton cas et pour quelles raisons, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau des différences qu'il peut y avoir entre l'Olympique de Marseille et certains autres centres de formation? Je peux que confirmer ces dires, parce que c'est vrai que quand, surtout dans les catégories de formation, pas dans les catégories de jeunes, parce que les catégories de jeunes, j'ai connu que des bons entraîneurs, de débutants jusqu'à 13, 14, 15 ans. Voilà, la formation, elle a été très bien. Mais c'est surtout là où j'ai vu le gros décalage, c'est surtout dans les catégories de partir de 14 ans jusqu'à pro, on va dire. Ouais. Où c'est que là tu commences à sentir la différence de niveau entre les centres de formation. Et un exemple, à chaque fois qu'on rencontrait des équipes comme Lyon, comme Monaco, Montpellier, même Nice, c'est vrai que personnellement je sentais toujours que on était toujours un cran en dessous. Alors, c'est pas pour autant qu'on perdait tous les matchs contre eux. Hein. On gagnait. Mais je sentais quand même qu'il y avait quand même plus de rodage dans ces équipes. Les joueurs, ils étaient plus formatés. C'était différent. Et donc, du coup, je peux que confirmer les dires que tu as entendus. L'expliquer, je sais pas. Après, je pense que les clubs comme Lyon, Monaco, ils recrutent énormément de joueurs par rapport à l'OM. Donc, ils font dans la quantité. Et logiquement, quand tu as une tonne de joueurs, dans le lot, tu vas avoir beaucoup plus de bons qu'un club comme l'OM qui recrute pas autant que les clubs comme Lyon et Monaco. Après, à l'époque, est-ce que l'OM était autant de moyens financiers que ces clubs-là au niveau de la formation? Je sais pas. Mais de ce que je vois actuellement, la formation, ça a quand même énormément changé. Quand on voit déjà les infrastructures qu'ils ont mis à disposition de la formation, les nouveaux centres d'entraînement, les nouveaux entraîneurs qui sont arrivés, etc. Je pense qu'ils ont compris que la formation c'était important et c'est que mieux. Voilà, on a vu pas mal de jeunes jouer en pro depuis. Il y a eu Max Lopez, il y a eu Bouba Camara, Lucas Perrin actuellement qui fait son petit trou. Donc je pense qu'ils comprennent que les jeunes ça peut être déjà une source financière à la revente. Ouais. Et puis voilà, des fois ça sert à rien d'aller chercher des joueurs parce qu'ils ont un nom. Ou parce qu'ils ont un fort potentiel à l'étranger, alors qu'on les a au club, ou même dans Marseille même, hein, parce que des fois, même en jeune, ils vont chercher des joueurs dans les îles, ou dans la France entière, ou à l'étranger, alors que dans les quartiers de Marseille, des joueurs techniques et des très bons joueurs, il y en a à l'appel. Mais voilà, après, c'est leur façon de penser, leur culture, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer quand même. Et c'est rassurant pour les jeunes. Allez-y. Donc Amaïs, tu donnes la parole, vas-y. Non, excuse-moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé de la différence de qualité, de quantité de joueurs par rapport aux autres centres de formation. Mais toi qui as fait quasiment toute ta formation à l'OM, est-ce que tu as senti que, justement, tu parlais de l'âge charnière 14-15 ans, est-ce que les entraînements ont changé à cette période ou pas du tout? Est-ce que tu as senti à un moment donné dans ta progression que ça y est, tu es vraiment en train de travailler en tant que joueur de centre de formation et pas de pré-formation? Est-ce que c'est peut-être pas ça qui a fait justement la différence avec des clubs comme Lyon, Monaco, qui sont excellents dans ce domaine? C'est possible qu'à l'OM, les entraînements vraiment pour préparer les joueurs au monde pro, il est peut-être plus tardif que les autres centres de formation, parce que moi, c'est vrai que là où j'ai commencé vraiment à le voir, ça a été, bon, à l'époque, c'était en 16 ans nationaux, à l'époque où c'était Eric Thierry, l'entraîneur, où c'est que l'OM a gagné deux fois le championnat de France de 16 ans et une finale perdue. Et c'est vraiment à partir de là que vraiment on rentrait dans le cursus néo-professionnel, on va dire, dans les entraînements et dans la culture de ce que voulait mettre en place l'OM. Mais c'est vrai qu'avant, c'était plus des entraînements, certes, de clubs professionnels, mais je pense que les clubs comme Monaco, comme Lyon, comme Paris, comme Lens, tous les gros centres de formation qu'on connaît, je pense qu'ils formataient leurs joueurs déjà dès le plus jeune âge par rapport à l'OM. C'est peut-être le ressenti que je peux avoir. Après, est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Au-delà de prendre les joueurs dans leur plus jeune âge, moi, je connais moins le centre de formation de l'OM que vous, les gars, mais par exemple, je prends l'exemple de Clermont, que là, pour le coup, je connais très bien.
il y a de la transversalité entre toutes les catégories. Ça, c'est intéressant parce que toi, tu as fait toutes les catégories, Stéphane. Est-ce que tu as senti, moi, c'est peut-être ça qui me chiffonne le plus avec Marseille, qui aujourd'hui doit s'imposer une identité, doit trouver quelque chose dans son centre de formation. C'est pour ça que j'étais content quand Nasser Larguet arrive. Est-ce que le problème, ce n'est pas justement ce manque de philosophie d'une catégorie à une autre, avec des éducateurs qui forcément, il n'y a peut-être pas de transversalité et d'idées de jeu transversales dans toutes les catégories. C'est peut-être ça qui est le frein aujourd'hui, l'un des freins principaux pour avoir un centre de formation de qualité. Oui, c'est possible. Après, moi, j'ai pas ressenti ça parce que c'est vrai que les systèmes de jeu, la tactique de jeu, elle a été toujours basée sur l'équipe professionnelle parce justement, il faisait travailler les joueurs en fonction de l'équipe professionnelle. Donc, quand l'équipe professionnelle pouvait jouer en 4-4-2, ben, nous, on joue en 4-4-2. Quand c'était du 4-3-3, on joue en 4-3-3. Quand c'était 3 derrière, enfin 5 défenseurs, etc., on s'adaptait toujours à l'équipe professionnelle. Donc, il y avait quand même une certaine cohérence dans les passages de niveau. Après, voilà, chaque entraîneur a ses idées, chaque entraîneur a sa façon de penser, ses idées de jeu, etc. Donc peut-être que ça y joue dans le comportement des joueurs. Quand d'une année à une autre, on passe avec des idées différentes ou avec des coachs qui ont des idées différentes, peut-être que ça peut jouer si les entraîneurs qui se suivent... Tu l'as pas ressenti? Non, pas spécialement. J'ai appris ça, l'année d'après, on m'apprend complètement autre chose. Toi, tu l'as pas ressenti? Non, il n'y avait pas de grosses différences parce que... C'est pas possible, quand on est dans son formation, c'est pas possible d'apporter autant de différence au point qu'un joueur le remarque. Parce que si on prépare des joueurs au monde professionnel, il y a des entraîneurs qui aimaient l'intensité, d'autres entraîneurs qui étaient moins dans l'intensité, plus dans le calme, dans le jeu posé, etc. Il y avait des différences à ce niveau, mais en termes de tactique, en termes d'ambition, etc., c'était assez similaire. Après, c'était pas tout pareil, mais il y avait quand même des similitudes. Dans ta formation, justement, on va rester sur les entraîneurs. Tu as eu, on va tous les citer pour justement que ça, tu te rappelles. Parmi ces entraîneurs, lequel t'as le plus marqué? Donc, tu as eu Jean-Claude Suzoni, tu as eu Michel Elia, Bernard Ambrosino, Cédric Moreira, Francis Caponi, Gilles Giacotta, Thierry Rodriguez, Eric Reche, Eric Thierry, Jean-Luc Cassini, Thomas Fernandez et Pancho Abbandonado. On va compter dans ton cursus. C'était les deux, ouais, c'était les deux. Voilà, c'est ça, de formation. On ne compte pas pour l'instant des entraîneurs que tu as eu en professionnel, on en reparlera plus tard. Lequel ou lesquels de ceux que je viens de citer t'ont marqué, t'ont le plus marqué? Mais, ils m'ont tous marqué parce qu'ils m'ont tous apporté quelque chose, pour être honnête. Après, Bernard Ambrosino, parce qu'on était un jeune, m'a beaucoup beaucoup marqué parce que voilà, on était jeunes en poussin excellence, et c'était un entraîneur qui vraiment inculquait la gagne. Voilà, quand on perdait les matchs, il était en folie, on n'avait pas peur de lui, mais voilà, on était jeunes et tout, vraiment on était surpris, vous voyez. Et ça c'est intéressant d'avoir un entraîneur comme ça, parce que ça peut être mal vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, voilà, ça formate les joueurs à la compétition et des compétiteurs. Voilà, tu perds un match, mais t'as pas le droit de perdre un match, tu vois. Donc vraiment, est-ce que ça a influé, je te coupe deux secondes, est-ce que ça a influé sur le jeu? Est-ce que par rapport à cette attitude de l'entraîneur, ça vous freinait dans vos ambitions ou non? Vous jouez quand même au foot, vous essayez de repartir de derrière au niveau du foot. Est-ce qu'il t'a apporté au-delà de l'envie de gagner? En plus de l'envie de gagner, c'était un entraîneur qui voulait qu'on joue au football. Hein. Il y avait du jeu, c'était pas on balance devant et on court tous devant. Mais voilà, il a inculqué la gagne et du coup, l'exigence, elle était très élevée. C'est ce qui faisait qu'avec cet entraîneur, toutes les équipes qui sont passées par lui, elles ont été performantes. Non, mais c'est ouais, non, c'est bien parce que... Ah oui, c'est bien, mais dès le plus jeune âge, c'est intéressant. Oui, moi, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a un peu levé les championnats pour justement favoriser le jeu, parce qu'on a tendance à dissocier le jeu et la victoire. C'est le débat qui me rend fou à chaque fois avec Azir, ouais. On en fait, de partout on en fait, alors que justement, là, tu as eu les deux. Et moi, le premier, lorsque je supporte mon équipe, je veux qu'elle gagne, elle gagne tous ses matchs, mais c'est sûr que si tu joues bien, voilà, tu as plus de chances de gagner sur le long terme que si tu joues pas bien. Ben, l'exemple qu'on peut donner, c'est pareil, c'est avec Bielsa. Avec Bielsa, on finit, je crois, 5 ou 6e, il n'y a pas de place européenne. Mais je pense que les gens ont préféré une saison avec Bielsa qu'une saison avec Eddie Bob, par exemple. C'est sûr, c'est sûr. C'est donc, sûr, ouais, c'est sûr. À choisir, je préfère me régaler sur le terrain, gagner 3-0, 4-3, 5-2, etc. Et proposer un beau football et vraiment faire vibrer les supporters plutôt que gagner des matchs 1-0 en restant derrière, 1-1, et que tout le monde se fasse chier, tu te fais siffler tous les matchs. Enfin, à choisir, je préfère la méthode Bielsa qu'une autre méthode, par exemple.
On en reparlera de cette méthode Bielsa, mais sinon, mais c'est très intéressant ce que tu nous dis. Tu me dis quand c'est le moment où tu dois nous quitter 4 minutes, tu nous dis au moins. Il n'y a pas d'heure précise, mais dès que je dois y aller, je te dis. Après, pour en revenir aux entraîneurs qui m'ont marqué, donc il y a eu Bernard en très jeune. Après, il y a eu Monsieur Caponi. Je me rappelle, c'était la bascule en fait entre le championnat, c'était quoi, championnat 7 ou 8 et le championnat 13. Et c'était un entraîneur qui était réputé pour faire tous les mercredis 45 minutes dans la surface de réparation, 45 minutes d'atelier technique, donc semelle, passement de jambes, vraiment la maîtrise du ballon et tout. Et vraiment, cet entraîneur, il était réputé pour ça. Mais voilà, après la progression au niveau technique, les joueurs, ils la sentaient de suite. C'était vraiment l'un des meilleurs entraîneurs en termes de transition sur le championnat 8 et à 13. Donc, il m'a vraiment marqué lui aussi. J'ai eu Gilles Giacotta aussi qui m'a beaucoup marqué en termes de relations humaines. Voilà, relations humaines avec les joueurs, avec son adjoint Raymond Carletto. C'était vraiment très beau duo. Ouais, j'ai passé de très bonnes années avec lui, parce que je l'ai eu deux fois. Je l'ai connu en Benjamin et en U13. Et après, bon, Eric Chiri, évidemment. Eric Chiri, ça a été le premier entraîneur à me placer au milieu, par exemple. Okay. Ça a été le premier entraîneur à me faire jouer au milieu, parce que du coup, j'étais surclassé avec la génération 94, des Aloé, Azouni, etc. Et il m'a toujours fait confiance, il m'a toujours pris, donc j'ai intégré le groupe sur le banc, il me faisait rentrer, et j'ai eu la chance de faire le championnat de France avec eux, où c'est qu'on perd en finale contre le PSG. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet entraîneur, voilà, qui se rapproche un peu de Bernard Ambrosini en termes de gagne, en termes de compétition, etc. C'était vraiment très intéressant. Puis après, Thomas Fernandez aussi avec Pancho Abbandonado. En 19DH, on l'a vu parce que les nationaux étaient descendus. Donc, nous, on arrive en 19DH, on remonte en 19DH. Et l'année d'après, donc quand on passe en CFA, Thomas Fernandez passe avec nous. Et de CFA 2, on fait la montée en CFA. Donc, vraiment, cet entraîneur, deux saisons vraiment, vraiment magnifiques. Et derrière arrive Bielsa et l'aventure en pro. Et l'aventure. Bielsa, voilà. Et Bielsa, évidemment. Qui m'a énormément marqué. Il manquait aussi, peut-être. Gravé, c'est vrai, manqué. Et manqué, ouais, manqué. Mais c'est vrai que quand il part après le match de Caen, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, en fait. Ça a été très compliqué. Franchement, c'est très compliqué son départ comme ça. C'est, parce que c'était le moment où j'étais un peu, pas à mon apogée, mais où j'étais vraiment en confiance, où je sentais que je faisais partie du groupe professionnel, de l'équipe professionnelle. Et qu'il parte comme ça, ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Bon, après, il y a eu l'arrivée de Michel, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Et pour continuer sur ta formation, il y a un joueur que tu as rencontré. Tu as gagné la finale de Coupe de Provence face à Puricard, 5-0. Tu me dis si tu m'interroges. C'est ça, si il me semble. Ouais, et le joueur nous a envoyé un message. Il nous dit, à l'époque, j'avais plus été marqué par Andonian parce qu'il mettait une tête à tout le monde et physiquement, pour son âge, pardon, 15-16 ans, c'était monstrueux. Mais Sparagna était plus discret, mais techniquement et dans la couverture, il était largement au-dessus. Il avait joué en marchant, mais il était toujours le premier sur le ballon. Dans l'anticipation, il était injouable. À eux deux, il tenait l'équipe, c'était incroyable. Ah oui, avec elle, on était à la défense centrale. Après, À l'ancienne, Lucky Moche Charbon et Lucky Relance, à l'ancienne. C'est ça, exactement, vraiment se compléter très bien. Mais Gaël, c'est vrai qu'en jeune, déjà, c'était le grand costaud, vraiment, il faisait homme déjà à l'époque avec la barbe et tout. Donc du coup, c'était moi à côté, j'étais le petit jeune sans barbe, le petit gentil, etc. Donc c'est vrai qu'on sentait la différence. Mais vraiment, on a passé de très bonnes années avec Gaël. Il est avec nous sur le live. Je crois que c'est KLM. KLM avec le drapeau de la Grèce. KLM, drapeau de la Grèce et belle pépé aussi. Ouais, c'est magnifique Twitter. Donc KLM, déjà, quel est ton prénom? Alors moi, c'est Clément. Salut à tous, salut à Steph. Salut. Donc Clément, tu faisais partie de l'équipe de Puricard, paix à ton âme, parce que 5-0 en finale, bon, c'est... Voilà quoi. Ouais, c'est voilà. C'est pas bien ce que vous êtes. Stéphane, c'est pas bien. Laissez au moins 1, 2, 3, les supporters et tout, c'est pas bien. La vérité... Attends, c'est la faute aux attaquants, ça. Nous, moi, j'ai fait mon boulot. Moi, j'ai fait mon boulot, la cage à zéro. Après, le reste, je contrôlais plus. Ouais, ça va. On l'apprend. Pour ta défense, ça va. On l'apprend. Ouais. Donc, Clément, explique-nous comment tu as vécu ce match. Et bon, je viens de citer ce que tu pensais sur Adonia et Sparagna, mais comment tu l'as vécu du terrain et si tu peux nous en dire plus. Ouais,
bah, déjà, merci à 13 de m'avoir envoyé un message, les gars, ça fait plaisir. Ah oui, je te coupe. Réagissez sur le hashtag Space013, parce que 13 ne me paye pas, mais si je n'annonce pas sur le Space013, il va me frapper. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le hashtag Space013 et à nous poser des questions, à mettre des commentaires. Je les lirai quand je me sentirai, tout simplement. À toi, Clément. Ouais, bah déjà, nous, en fait, si tu veux, donc, quand on est arrivé là, c'était déjà un truc de fou, parce que nous, on jouait en excellence à l'époque. Mmh. On avait sorti Salon DHR en quart, Aubagne DH en prolongation en demi, et nous, on arrive à, je me rappelle, on avait joué à La Ciotat. Ah, c'est ça. Et il y avait l'OMTV et tout, on était des minots, hein, c'était déjà un truc de fou pour nous. Et ouais, c'est vrai que, comme j'ai dit dans les messages à 13, moi, j'ai une image, elle me reste en tête encore. C'est, je sais pas si Steph se rappelle, en fait, on rentrait en ligne dans les vestiaires avant de rentrer sur le terrain. Et en fait, nous, on était un peu petits, des petits gabarits et tout. Et là, tu voyais vraiment la tête d'Andonian, elle dépassait de tout le monde de 10 cm. Non, mais c'est exactement ça. Ah ouais, c'est exactement ça. C'était incroyable. Et puis voilà, il était vraiment carré et tout pour des minots de notre âge et tout. Donc, c'était vraiment impressionnant. Et moi, je me rappelle, j'ai une image. Bon, moi, j'étais rentré avec les crocs. Je me suis dit, vas-y, même si c'est l'OM, on va essayer de les taper et tout. Et je me rappelle, le premier ballon, tu te mangeais un coup de physique, on était tout frais à la côté, c'était dur. Mais ouais, franchement, après, ça reste des bons souvenirs, mais c'est vrai que quand j'y repense, ça fait un peu mal, des fois, 5-0 quand même. Non, ah, mais ça va. On oublie vite, C'est du passé, Non, mais après, c'est des bons souvenirs pour tout le monde, hein. Franchement, nous, comme je te disais, nous, on était en excellence, on jouait notre petit championnat à côté, on arrive à Toyota, il y a l'ONTV, mais moi, des fois, il n'y a pas longtemps, je l'ai reposté sur Twitter, il y a peut-être un an, où j'ai retrouvé le journal, où je vois Sparania, Andonian, Azouni, qui a signé un pro aussi, c'est des bons souvenirs. Non, c'est énorme. Franchement, jeune, c'est les meilleurs souvenirs, tu t'en souviens toute ta vie, même si t'as fait une finale. C'est incroyable. Ben merci Clément pour ce magnifique témoignage. On voit que Stéphane ne répond plus, il veut pas rajouter. Oui, toujours. Mais après, c'est des bons souvenirs pour tout le monde. Voilà, quand t'es dans un club comme Puricard, que t'accèdes à une finale de régional, c'est toujours plaisant, c'est toujours un plaisir de pouvoir raconter ça et puis d'en discuter aujourd'hui. Et voilà, entre nous, c'est cool. Merci à vous les gars, c'est un grand plaisir. Écoute Steph, merci et bon courage à toi. Écoute, merci beaucoup et bonne continuation à toi aussi. Merci Clément. Ciao Clément. Reste avec nous. Et restez avec nous, n'hésitez pas sur l'hashtag Space013 voilà, à nous poser vos questions. Et les gars, Amaïs, Azir, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Là, j'ai une question si tu veux, si je peux me permettre de... Je veux. Non, vu qu'il y a le nom de Azoun qui a été mentionné plusieurs fois, ça me fait rappeler qu'on l'a eu à Passe ton ballon cette saison et qui nous a notamment parlé du centre de formation de l'OM. Et je voulais avoir l'avis de Stéphane justement sur la gestion des jeunes de l'OM par la direction sportive, notamment quand il s'agit de partir en prêt pour la première fois ou l'inclusion à l'équipe première. Est-ce que tu avais senti un réel accompagnement ou comment c'était passé? Parce que lui, justement, il avait un peu déploré ça. Il avait parlé de son épisode rocambolesque quand il est parti à Lorient. Et du coup, je voulais savoir comment toi, tu l'avais perçu de ton côté. Ben, moi, quand je suis parti en prêt à Auxerre, c'est mon agent, j'en étais en stage, je me rappelle, je ne sais plus où, avec l'OM. Et c'est mon agent qui m'appelle et qui me dit, voilà, tu as Auxerre qui te veut. Il y avait Amiens aussi sur le coup. Et bon, moi, après, j'ai dû faire un choix. Mais moi, c'était un choix que je voulais. Donc, ça n'a été pas imposé comme... Je crois que c'est, tu parlais de Larry, hein, pour exactement, l'Orient. Exactement, ouais. Voilà, Larry, le problème, c'est que ça a été, de ce que j'ai compris, ça a été imposé à la dernière minute. Donc là, vraiment, c'est compliqué. Ça a été imposé pour un échange de joueurs. Je crois que c'est Mario Lemina. C'est ça, exactement. Donc, avec Rafi Dinamoula voilà, aussi. Voilà, et Rafi. Donc lui, je pense qu'il ne voulait pas être prêté. En tout cas, pendant ces conditions. Donc, c'est, pour lui, c'était plus délicat. Moi, c'était un choix. Voilà, moi... j'avais besoin de jouer, j'étais jeune, voilà, rester à l'OM pour faire du banc. Oui, ok, c'est bien, t'as ton salaire, t'es sur le banc, le vélodrome, les supporters, tout est beau, tout est magique, mais voilà, si tu joues pas dans le monde du football, voilà, tu finis un contrat et tu pars vite aux oubliettes. Donc moi, c'est un choix que j'ai fait. Et ça a été payant parce que j'ai fait quand même une saison pleine à Auxerre, même si on a joué les... le bench, c'est ça, mais, c'est ça, ouais. Voilà, mais ça a été une expérience enrichissante en tant que jeune. Et voilà, et en revenant, quand on me dit que je vais retourner en CFA, etc., ouais.
Bon, après, j'avais pas la prétention d'être titulaire à l'OM, attention, hein, mais en tout cas, faire partie du groupe et pourquoi pas rentrer et, voilà, et montrer ce que j'avais pu apprendre en Ligue 2 et montrer mon niveau. Voilà, retourner en CFA, c'était un peu faire un pas en avant pour en faire deux en arrière. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir de l'OM et de tenter l'étranger. Et je voulais te poser une question. Je voulais te poser une question sur le centre de formation, sur la gestion médiatique au niveau des sollicitations. Quand un centre de formation à l'OM, je pense qu'on a voilà un entourage qui essaie d'être de plus en plus grand, etc. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais plutôt calme ou est-ce que c'était dur à gérer au niveau de la médiatisation et de l'entourage, on va dire? L'entourage, après, c'est délicat parce que quand tu joues à l'OM, automatiquement, tu as tout Marseille, c'est frérot, pas frérot, c'est la vie de tout le monde, tu vois. Non, mais c'est la réalité. Le problème, c'est quand tu as l'OM, tout le monde sait. Vas-y, rigole, il connaît ça. Mais quand tu pars de l'OM et que tu te retrouves, on va dire, en galère, c'est là que tu vois vraiment les vrais amis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu n'as plus personne. Donc après, voilà, quand tu es jeune, moi, je suis un gentil en plus, je fais pas attention un peu à tout ça. Donc je l'ai remarqué vraiment avec le temps, tu vois, maintenant, voilà, j'ai compris, etc. Mais sur l'instant T, c'est vrai que tu n'es pas préparé, tu es propulsé devant les feux des projecteurs, tu as l'OM dans un club qui est suivi dans le monde entier, tu es là, oui, tu es content, tu es voilà, tout heureux, etc. Donc, tu n'es pas préparé, tu vois, on t'en parle, etc., mais tu n'es pas préparé à la médiatisation, à tout ça d'un coup, tu n'es pas préparé. Donc après, soit dans ta tête, ben, tu gardes la tête froide, tu as un bon entourage familial, et tu arrives à passer outre tout ça, soit tu es faible et tu te fais un peu manger par tout le monde et tu n'es pas entouré. Et là, par contre, ça peut devenir difficile autant dans les fréquentations que dans le côté financier, que dans tous ces aspects. Quand tu dis... Mais être préparé à ça, on n'est pas préparé. Je te demande à Maïs, Azir, il avait une question et après tu poses ta question à Maïs. On enchaîne sur Azir, après, vas-y, on enchaîne avec Maïs. Ouais, juste une petite question. C'est un peu... pas enfin, un peu rien à voir avec la précédente, mais est-ce que durant ton cursus au centre de formation, le discours tenu par les éducateurs, par les différents directeurs de centre de formation que tu as pu avoir, est-ce qu'on vous préparait au niveau professionnel, ou est-ce qu'on vous préparait spécifiquement à devenir professionnel à l'Olympique de Marseille en négligeant une éventuelle option, c'est-à-dire comme la très grande majorité des joueurs, hein, on le sait, vont statistiquement devenir pro, mais faire une carrière professionnelle, mais ailleurs, en dehors de l'Olympique de Marseille, en Ligue 1, en Ligue 2. Je te dis ça parce que, pareil, des témoignages que j'ai pu recueillir, des joueurs passés par le centre de formation, un certain nombre d'entre eux, voire une majorité, me disaient que le discours qui était tenu envers les joueurs, c'était l'OM, et qui est certes compréhensible parce que l'OM forme avant tout pour son équipe première, c'est logique, mais il n'y avait pas aussi ce discours un peu terre-à-terre qui expliquait que voilà, l'OM certes c'est un objectif ultime et qu'il faut prendre en compte évidemment parce que vous êtes au centre de formation de l'OM, mais que la très grande majorité d'entre vous n'aura pas l'occasion d'avoir une opportunité d'une équipe première et faire une carrière à l'OM. Et que voilà, il faut penser à d'autres éventualités, en l'occurrence, jouer dans des clubs de Ligue 1, un peu moins UP, dans des clubs de Ligue 2 également. Ben ça, c'est un discours qu'on n'a pas beaucoup entendu quand même. Hein, quand tu es dans les équipes de jeunes, ce n'est pas le discours premier que tu entends des entraîneurs. Comme quoi, après, quand tu es jeune, tu le sais que pas tout le monde va réussir. Il y a beaucoup de jeunes pour peu d'élus, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc tu sais très bien que pas les 11 joueurs vont signer pro et faire une grande carrière. Mais c'est surtout au niveau scolaire, comme on le disait. Voilà, comme quoi, quand on était au niveau scolaire, avec les profs et tout, là oui, on nous disait qu'il fallait privilégier quand même l'école, que pas tout le monde allait y arriver, etc. Donc vraiment d'avoir une porte de sortie, entre guillemets, voilà, de pas se concentrer que sur le foot. Mais quand même penser aussi au cursus scolaire et à ce qu'on pourrait faire dans le cas où les joueurs n'arrivaient pas à signer pro et à aller au bout. Donc au niveau scolaire, oui, on était, on nous parlait de ça, mais en termes football, c'est vrai que les coachs en parlaient de temps en temps, mais ce n'était pas le discours premier. Stéphane, 2 secondes. Si tu as du monde autour de toi, que tu veux qu'on te laisse 2-3 minutes, il n'y a aucun problème. On le fait en 3 minutes. Après, Amaïs posera sa question. Voilà, d'accord, on fait comme ça. Allez, ben là, je me mets en mute le temps que j'arrive.
Voilà. Et dès que je suis arrivé, je me remets avec toi. Allez, y a pas de souci, donc on te laisse 2-3 minutes le temps. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le hashtag Space013. En tout cas, c'est un kiff pour moi. Je sais pas, les gars, vous me dites Azir, Thomas et Amaya si c'est un kiff pour vous, mais moi, un plaisir d'être à la présentation de ce live 13013 sur Twitter. Voilà, on est avec vous jusqu'à 23h. Thomas, tout va bien? Mais tout va bien. Ah non, mais je prends un plaisir, un bon plaisir à écouter Stéphane. C'est vrai que c'est un joueur qu'on a appris, on l'a tous connu, enfin, ou peut-être au centre de formation, mais surtout voilà cette saison Bielsa, et je l'avais jamais vraiment trop peu entendu dans les médias, donc un vrai bon client. Des choses très intéressantes à dire. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Des choses très intéressantes sur son caractère, notamment quand t'es gamin. Je me dis que ça doit être vraiment pas facile à aborder. Moi, je pense au mot de Maxime Lopez quand il a accusé son coup de moins bien là sur sa dernière saison à Marseille, qui disait je me voyais déjà arriver de là-haut, etc. C'est pour ça que je voulais lui poser la question. Est-ce qu'au bout d'un moment, là, il parlait de quand il était encore au centre, mais quand t'as le maillot de l'OM, les survêtements de l'OM, etc. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu te dis bon bah c'est bon, je suis arrivé. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu te relâches, etc. Lui, comment il l'a géré, il commençait un peu à y répondre sur son caractère. Il a l'air d'être très bien entouré. Stéphane, donc voilà, c'est intéressant à connaître tout ça parce que je pense que tous les joueurs ont du talent à ce niveau-là et c'est vraiment la tronche qui fait vraiment, vraiment la différence à tous les niveaux. Et voilà, avoir un peu ce ressenti-là, ce qu'il pensait à ce niveau-là. Quoi. Comme l'a dit Lopez, moi, ça m'avait un peu marqué cette sortie moi, de Max Lopez, je pense que vous en avez marqué de penser. Et je pense que c'est un peu la machine à laver Marseille qui, des fois, peut te prendre, et on parle toujours du contexte compliqué pour les gamins et pour les minots quand ils arrivent là-bas. Donc voilà, c'est... Surtout quand tu viens de là, quand tu viens de la ville, c'est encore, plus, ouais, encore plus compliqué. Quand tu viens de la ville, tu fais un truc, tout est décuplé, même le fait que dans ton temps libre, ben, t'es sur Marseille, donc tu dois croiser certainement des personnes. Donc entre les gens qui te diront « Ah, t'as changé, tu nous accordes pas de temps », et les gens qui diront « Bah, vas-y... » Même les parents, ils doivent que... Je sais pas, moi j'aurais bien aimé lui poser la question... Comment réagissent ses parents du coup, au bout du moment quand ils sont trop rapprochés? Il y a ça aussi à gérer, se dire comment les parents réagissent. Il y a beaucoup de gamins, les parents prennent le dessus et croquent un peu sur les gamins. Donc c'est ça aussi, c'est cet équilibre aussi à trouver avec l'entourage proche, l'entourage très proche, notamment les parents. Donc il y a tout un contexte à gérer à seulement je sais pas moi 14, 15 ans, 16 ans. Et c'est j'imagine que c'est vraiment vraiment pas évident. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont un peu moins réussi, et c'est ça qui est aussi intéressant à mettre en lumière, quoi. C'est sûr. Souvent, je me dis, mais si j'étais à leur place, comment j'aurais réagi quand on va regarder des matchs au campus, on voit certaines sollicitations, on commence déjà à avoir quand même une certaine pression, hein, ceux qui regardent les matchs des jeunes à l'OM, même des matchs en préformation, en 14, en 13, voire dans le foot animation. La Ligue pour nous, etc., parce qu'on dit qu'il n'y a pas de compétition, mais dans l'organisation des championnats, mais il y a beaucoup de tournois qui sont faits, on sent déjà quand même qu'il y a une certaine pression pour les jeunes de manière générale, dans les gros clubs amateurs, mais c'est encore plus frappant à l'OM. Et je me dis, parce que des fois, on a un peu ce discours un peu facile, ah, il a pété les plombs, il n'avait pas le mental assez fort, mais ils ont quand même une position privilégiée, certes, ils jouent à l'OM, ils portent... L'équipement de l'OM, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, et moi le premier qui aurait aimé avoir cette chance-là, mais en contrepartie, ils ont une pression notamment d'avoir, parce qu'ils ont déjà, contrairement à beaucoup de jeunes, un projet professionnel établi, un objectif, donc atteindre le niveau professionnel, mais il y a toute une pression liée à l'OM, liée à la ville. On sait aujourd'hui s'il y a un accompagnement dans le cadre... éducatif de tout ça, justement, au-delà du simple fait scolaire, vous qui êtes très proche du centre, au-delà du suivi sportif et du suivi scolaire, est-ce que, je ne sais pas, s'ils peuvent mettre en place un suivi psychologique de tout ça, savoir interroger régulièrement les gosses sur le qu'est-ce que ça vous fait de jouer à l'OM, qu'est-ce que ça. Je pense que ça peut être intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, à terme, de mettre quelques suivis comme ça pour savoir un peu l'évolution de l'entourage ou même du gosse dans le centre ou même quand il vient de signer pro, quoi, parce que quand il a signé pro, il n'est pas encore arrivé non plus. Tout là-haut, quoi. Je sais que, même, je ne sais pas si c'est institutionnalisé, donc c'est de manière voilà, individuelle de temps en temps et tout, mais il y a, pour avoir posé la question à certains jeunes, qu'il y a, notamment par rapport aux réseaux sociaux, aux commentaires qu'ils peuvent recevoir et tout, etc., il y a un suivi quand même qui est fait, une sensibilisation
tu vois, une prévention qui fait. Après, je sais pas si c'est fait de manière vraiment institutionnalisée, parce que je sais qu'à un moment, pour X raison, je devais bosser pour un truc avec eux, mais et au niveau du média training, bon, c'est fait dans beaucoup de clubs professionnels, essayer de les protéger par rapport à l'environnement extérieur, et parfois, ça devait même un peu trop. Bon, ça sonne un beau vibreur, là. Qui les coupe avec le monde, pour certains d'entre eux, ça va les couper un peu avec le monde extérieur, ça va être très... je trouve que ça a des effets pervers, mais ouais, il y a des choses qui sont mises en place en termes de sensibilisation, mais on peut toujours aller plus loin. T'as raison. Pardon, vas-y. Quand ils arrivent dans le monde pro, c'est peut-être même qu'il faut être encore plus les accompagner par rapport à ça, parce que ce qu'ils vont vivre, et Stéphane Sparagnan en parlait un peu, c'est... Ça doit être pas simple à gérer, en tout cas. Azir, s'il te plaît, je vais te demander, si tu peux me faire une faveur, mettre des écouteurs, tu peux être plus près de ton téléphone, parce qu'on t'entend, mais c'est pas exceptionnel. Ça va. Si tu peux, ouais, te prendre un casque Beats que t'offre la maison. Vas-y, y a pas de souci. Amaïs, toi, si tu avais une réaction par rapport au sujet. Écoute, le média training, je pense que ça va devenir à terme indispensable. Mais pour répondre à ta question, j'ai pas l'impression que ce soit institutionnalisé, pour reprendre le terme d'Azir, du moins dans tous les clubs français. Mais c'est sûr que ça va devenir obligatoire. On a eu tellement de témoignages d'anciens pros, de pros actuels ou de mecs qui n'ont pas réussi à faire la bascule entre le monde amateur et le monde pro. Ils sont tous unanimes. Sur le fait qu'ils reçoivent trop de sollicitations à l'orage. Quand ils sont en centre de formation, ils ne peuvent pas gérer ça si on ne les accompagne pas. C'est sûr. Je pense qu'il est primordial pour les clubs, mais aussi dans l'intérêt des clubs, de manière égoïste, d'accompagner les jeunes pour que ça soit des hommes plus costauds quand ils vont arriver à 18, 19, 20 ans, et afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur le foot. Mais les sollicitations, oui, c'est... un truc de fou, et tu peux avoir la pression des éducateurs. Là, maintenant, tu as de plus en plus d'agents, de recruteurs qui traînent autour des gamins de plus en plus jeunes. Et même un autre truc, les filles, tout simplement. J'allais te dire ça, mais je te jure, c'est le sujet que j'allais aborder avec vous. C'est même les meufs, ça doit être un truc de fou. Attention, les gars. Franchement. Mais quoi, Zir ? Non. Sujet délicat, attention. On ne fera pas de Lorient, Ligue 2, t'inquiète pas. Ne virez pas sur le PMU, là, attention. Jamais de la... Ça y est, t'as trouvé tes écouteurs, Zir, c'est bon ? Au meilleur moment, il les a trouvés. Ouais, il a entendu meuf, il a couru, il a pris ses écouteurs, il a dit, je les pris bien. Non, mais en vrai, juste pour donner une anecdote, vu qu'on parle de jeunes, avant, je travaillais pour le Sporting Club Herbel, et quand il y avait l'espèce de classico Sporting Club Herbel Olympique de Marseille, quand c'était des matchs de U15, U16, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gamines qu'il y avait autour du terrain, mais vraiment, et ça m'avait marqué cette image. Je me suis dit, mais attends, normalement, les jeunes sont innocents, tu vois, mais... On va faire comprendre ça à un gamin, justement, qui a 15 ans, machin et tout. D'un coup, il va arriver des gamins. Il va se dire, bah ouais, c'est trop bien. Mais en fait, non. Tu vois, il faut savoir gérer ça aussi. Et c'est vraiment plus compliqué de faire leur place. Exactement. Tu as des sollicitations à droite, à gauche. Stéphane, qui est beau gosse en plus. Donc... Oui, voilà, oui, Stéphane, ouais, il a la coupe sur le côté, bien sûr. Bien sûr que lui. Bien sûr que lui, il y a même HCup Marseille qui est présent. Merci à vous de nous suivre. Il y a Wello, sans nationalité, notre ami Wello, le Parisien mais Marseillais dans le cœur, qui nous dit fort sympathique le space, le hashtag donc space013. Il y a des questions aussi pour notre invité qui va revenir incessamment sous peu. Alors des questions de Longoria FC. Question, voilà, Longoria FC qui nous pose une question. Ça rien que j'analyse maintenant parce que l'invité n'est pas présent sur le live. Il est là. Parfait. Tu vois, t'as le flair. Tout le monde là. S'il y a des gens qui veulent reposer des questions, quoi, j'essaie un peu d'écouter, mais j'ai pas tout retenu. Donc n'hésitez pas. Voilà. Non, y a pas de problème. T'as une question de Longoria FC sur le hashtag Space013. Donc du coup, as-tu des regrets, Stéphane, d'être tombé dans une génération où le club ne s'occupait pas trop de la formation et n'accordait peu d'importance donc à cette formation? Aujourd'hui, le club avec Longoria largué semble plus sensible aujourd'hui à la formation. Et au travail, et travaille beaucoup plus. Qu'est-ce que tu en penses de la question de notre auditeur?
de Longoria FC. Je pense qu'avec la nouvelle direction actuelle et du club, je pense que c'est sûr que c'est peut-être, j'allais dire plus facile, c'est pas le moins adapté, mais je pense que c'est, étant donné qu'il fonctionne plus avec les jeunes, je pense que ça aurait été mieux peut-être avec cette direction que l'ancienne direction. Et après, des regrets, non, parce que j'ai quand même eu la chance de jouer en pro, j'ai eu la chance de signer pro à l'OM, et après, le choix de partir, c'est moi qui l'ai fait, donc des regrets, non. Non, pas spécialement de regrets. Après, c'est sûr que pour d'autres jeunes, je pense qu'ils n'ont pas signé pro, qu'ils ont été mal orientés. Je pense surtout à la génération Osei, Ndumbu, Chris Gaïdi, etc., où c'est qu'ils ont été prêtés dans des clubs un peu, entre guillemets, pas bidon, parce que c'est ouais, des clubs, ça, on va dire, en dessous, voilà, de ce qu'ils pouvaient espérer. Très en dessous, voilà, exactement, très en dessous de leur niveau. Et surtout, au vu de leur progression, je pense que ce n'était pas les bons choix. Donc voilà, plus pour des jeunes comme ça, je pense que des regrets, ils doivent en avoir quand on voit ce qui se passe actuellement à l'OM. Je pense que pour eux, il y a plus de regrets que pour moi, par exemple. Ok, n'hésitez pas, les gars, à poser une question. Et 13-0-13, les affiches. Amaïs, toi, tu en avais une de question. Vas-y, tu peux la poser. C'était pour rebondir sur ce que Stéphane disait sur le fait que parfois, il ne se sentait pas prêt quand il était en centre de formation. Mais pendant ton absence, on parlait de ça justement sur la gestion des nombreuses sollicitations quand tu es un jeune en centre de formation qui plus est à l'OM. Qu'est-ce que tu aurais aimé de plus justement de la part du club pour qu'on t'accompagne dans la gestion de ces sollicitations, que ce soit sportive ou même extra-sportive ? Est-ce que Stéphane est avec nous ? Est-ce que Stéphane est avec nous ? Les écouteurs, panne de batterie des écouteurs, du coup, vous m'entendez bien ou pas ? Oui, ouais, très bien, très bien. Bon, parfait. Oui, donc pour revenir, je pense que il devrait plus s'axer sur le média training. J'ai entendu parler de ça pendant que j'avais le son coupé. Je pense qu'il devrait axer plus sur le média training parce que c'est vrai que quand on est à l'OM, un club aussi médiatisé, quand on lance des jeunes comme ça dans le grand bain, il faut les entourer au moins au niveau des médias et au niveau de l'entourage. Voilà, c'est important de les recadrer, de les entourer, de les accompagner surtout, parce que voilà, on sait l'engouement qu'il y a autour du club de l'OM. Et voilà, lâcher un jeune dans ce milieu et encore plus à l'OM, c'est dur à gérer quand on a 18 ans, 17 ans, quand on signe le premier contrat pro à l'OM. Voilà, les moyens financiers, on sait que c'est pas les mêmes qu'un club moyen de Ligue 1, voire de Ligue 2. Donc, il y a l'argent qui rentre en compte. Il y a les gens autour qui gravitent un peu autour des jeunes joueurs, etc. Parce que ça fait bien, parce qu'ils ont des sous, etc., etc. Donc, voilà, s'ils ne sont pas un minimum encadrés déjà par la famille et ensuite par le club, ça peut vite devenir compliqué. Donc, ouais, je pense que le média training, c'est hyper important pour les jeunes. Et je pense que ça ne peut que améliorer les performances des jeunes. Voilà, s'ils sont bien dans leur tête et qu'ils sont tranquilles, sur le terrain, ça va se ressentir. S'il commence un peu à être pollué par l'extérieur, de suite, ça va se ressentir sur les performances sur le terrain, etc. Et aussi les réseaux sociaux. Voilà, les accompagner au niveau des réseaux sociaux, parce que moi, je me rappelle quand j'étais à l'OM, quand tu faisais des bonnes performances de suite, on t'envoyait en équipe de France limite, en équipe de France A, etc. Par contre, quand tu ratais ou tu passais à côté d'un match, de suite, c'était entre guillemets la pire merde. Donc voilà, on parle des réseaux sociaux, justement. Toi, comment tu accompagnerais un jeune ou comment tu conseillerais un jeune précisément sur les réseaux sociaux, parce que on aime bien nous les gars qui communiquent de eux-mêmes, où on sent de la fraîcheur dans les tweets ou dans les Instagram. Moi, des comptes Instagram, je ne regarde plus parce qu'on sent que c'est une communication qui passe par trois directives, que c'est même pas le gars qui poste le truc. Au final, il n'y a pas d'authenticité dans le tweet ou dans le post. Et donc, il y a aussi ce côté-là où on a l'impression que les joueurs sont formatés et il y a ce côté-là où on a peur que les joueurs font des erreurs. Comment toi, situerais le juste milieu et t'accompagnerais le joueur justement à on va dire, être authentique et à ne pas faire d'erreurs dans les tweets ou dans Instagram ou de partout. Moi, je pense que les réseaux sociaux, honnêtement, soit ils devraient faire un compte pro et un compte perso, donc vraiment un compte perso avec les gens qu'ils connaissent et vraiment les gens proches, etc. ou autre, et vraiment le compte pro qui est géré par le club. Et je parle pour le club de l'OM, je ne parle pas des clubs où c'est que la médiatisation n'est pas la même. Mm. Mais un club comme l'OM, ils doivent au moins avoir un œil sur les réseaux sociaux des jeunes, parce que rien que des publications, des fois, on n'y pense pas, mais des publications avec certaines phrases, certains mots, à l'heure d'aujourd'hui, ça peut avoir des répercussions énormes sur la carrière du joueur. Puis après même, tout ce qui est les insultes, les critiques, etc.
quand on est jeune, on les voit sur Twitter, on le voit sur Instagram, on les voit. Et inconsciemment, ça y joue beaucoup. Alors à l'heure actuelle, maintenant, quand je vois être comme ça, ça me passe mais tellement au-dessus, parce que quand je vois que Cristiano Ronaldo et Messi sont critiqués, je me dis évidemment que moi je vais être critiqué. Voilà. C'est vrai. Voilà, à un moment donné, la critique, elle fait partie du métier. Mais chez un jeune de 18 ans, 17 ans, même 19 ans, 20 ans, ça peut être dur à gérer. Et mentalement, inconsciemment, ça y joue. Donc voilà, après les performances, automatiquement, ça, voilà, quand dans la tête, comme je le disais, on n'est pas tranquille et on est pollué par ça. Ça, on le ressent sur le terrain. Voilà, quand tu vas tenter des choses, tu vas avoir peur de mal faire parce que tu as peur de la critique, parce que tu as peur de ci, parce que tu as peur de ça. Et au lieu de te lâcher et de jouer comme si tu étais avec tes collègues ou en centre de formation, tu vas te brider. Et après, c'est un cercle vicieux. Donc je pense qu'il devrait quand même encadrer les comptes Instagram, surtout, et Twitter, parce que c'est là qu'on voit le plus de critiques envers les joueurs. Hein. Je pense qu'il devrait l'encadrer et avoir au moins un œil sur un compte professionnel. Après, qu'ils aient leur compte perso, ça, il n'y a aucun problème. Mais au moins, le compte pro d'être géré et qu'ils soient encadrés à ce niveau. T'as Kenny avec l'emoji, c'est une araignée, @weekendh, qui te dit tout simplement, Stéphane Sparagna, nostalgie, c'était grave mon chouchou à l'époque. Ça fait plaisir de l'entendre, #Space013. Voilà, notre ami Kenny c'est, qui... C'est gentil, ça fait plaisir de voir que des gens se souviennent de moi, tu vois, parce que c'est vrai que ça fait 5-6 ans que je suis parti à l'étranger. Et là, quand je reviens à Marseille et que des gens me reconnaissent ou disent qu'ils m'aimaient bien et tout, ça fait toujours plaisir parce que pour moi, je suis un peu tombé dans l'anonymat ici à Marseille. Maintenant, je suis plus tranquille dans Marseille, je me sens. Ouais, mais je suis pas surpris qu'il y ait des gens qui se souviennent parce que c'est vous êtes tombé dans une avec bon les Aloé, etc. Tous ceux qui Egaël dans l'époque Bielsa qui a marqué les esprits. Et vous êtes tombé dans un moment, on s'est dit, ça y est, tu vois la nouvelle génération du centre de formation, etc. Donc, je ne suis pas surpris que les supporters, etc., gardent une bonne image et qu'au final, les noms restent un peu dans nos têtes, un peu contrairement à la génération juste avant, qui était peut-être celle des Bilal Omrani, des Chris Gatti, etc. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui, c'est sûr que moi, ça reste un peu dans les tronches. Bah, Bielsa il a apporté quand même un renouveau dans l'ère marseillaise, donc c'est normal que c'est normal que les gens s'en rappellent parce qu'il a marqué la ville entière. Ah, je sens que vous voulez en parler. Par le personnage qu'il est. Vous voulez en parler, on va y venir. C'est bon. Allez, c'est bon, on se sujet de nous. Allez, on va y venir. Non, on va y venir. Ça y est, on a fait la formation. Donc Michel, on a tout vu. Ah, t'aimes trop rendre foot. Attends, je savais que t'allais en envoyer une ou deux. Allez, on va y venir justement la bascule chez les pros. Donc les gars, je vous laisse, on est entre nous. Justement, chez les pros, t'as eu la chance de connaître, comme je le dis dans ta présentation, Marcelo Bielsa. Donc déjà, la bascule, toi, mentalement, chez les pros, comment s'est déroulé? Et voilà, la rencontre avec le coach argentin qui t'a fait jouer directement. Et je pense que Thomas, Azir et Amaïs auront des questions ainsi que nos followers. Ouais. Ben moi, honnêtement, comme je te disais tout à l'heure, quand j'arrive en 19, donc DH, du coup, on fait cette saison 19 DH. Et à la fin de cette saison, il y a le staff du BLCA qui vient avant le début de saison pour justement faire le groupe élite. Pour moi, j'en fais partie avec tous les jeunes qu'on connaît, voilà, les Gaël Andonian, Baptiste Aloé, Wesley Jobello, Porcent, Maxime Lopez, etc. etc. Et à la suite de ça, donc. C'est vrai que tu as tapé dans l'œil de Diego Reyes, hein, c'est ça. Justement, ouais. qui t'a aimé. Qu'est-ce qu'il a aimé chez toi, justement? Raconte-nous comment se passe ce groupe élite. Honnêtement, comment fonctionne ce groupe élite? Je l'ai su avec le temps, mais à l'instant T, personne ne parle avec nous. Ils sont pas venus pour nous dire ouais putain je t'aime bien etc, tu vois, ça s'est fait tu le comprends dans les choix par la suite, mais okay. personne n'est venu te dire ou même un entraîneur du centre de formation te dire putain tu as tapé dans l'œil et tout, continue etc. Ça s'est fait tout seul. Ok. Donc il y a le groupe élite et au début de saison, je crois que si je me rappelle bien, je crois qu'on était au résultat du bac. Et là, je reçois un message, il me semble, de Rani qui me dit bon, mais il y a la reprise avec les pros, etc. Donc, il y avait Jérémy Porcent, il y avait Gaël, il y avait Bill Chiloma, etc. Voilà, le groupe élite, en fait, qui reprend avec les pros. Et donc, on sortait du 19DH quand même. Et on fait la préparation. Et moi, dans ma tête, je prends ça comme du bonus. Dans ma tête, je me dis bon, je reprends avec les pros, j'ai rien à perdre. Je sors du 19DH, on est remonté en national.
Voilà, j'y vais. Voilà, on savait qu'on était un peu des sparring. Donc, en gros, on arrivait, on s'entraînait avant l'entraînement, on préparait les exercices pour les pros. Mmh. On s'entraînait pendant l'entraînement avec les pros, donc on faisait l'exercice pour eux et on les faisait avec eux. Et on s'entraînait parfois après l'entraînement pour préparer les exercices du lendemain. Donc, en gros, on faisait triple séance limite. Mais c'était que tu plus. Ça te prenait combien de temps tout ça? C'était beaucoup, ah, c'est vrai. Franchement, c'est... Tu le connaissais, Bielsa, avant qu'il arrive? Parce que peut-être. Il y a peut-être une génération qui ne connaissait pas Bielsa. Il y a la question juste avant. C'est pas grave, Thomas, ton réseau Wi-Fi, on le connaît. Qui posait justement la question, qui disait que ça te prenait beaucoup de temps. Tu arrivais avant, pendant, tu partais après. Mais c'était un délire, vraiment, c'était un délire. Mais quand tu es jeune, que tu arrives chez les pros comme ça, mais au contraire, que tu restes 4 heures sur le terrain, tu es plus content qu'autre chose. Tu es sur le terrain des pros, sur la pelouse, tu es dans les infrastructures des pros. On allait voir les vidéos, on côtoyait les pros. Mais c'est quand même quand tu amènes ton petit à Disney, c'est pareil, tu es émerveillé. Tu t'en fous de rester au terrain, tu es avec les beaux ballons, tout ce qui va, vraiment le monde professionnel à l'OM. Donc vraiment sur le terrain, franchement, on se régalait, c'était fatigant, mais on se régalait. C'était long, mais on ne le voyait pas passer parce que voilà, tu étais avec les pros, donc tu peux pas te plaindre, tu n'as pas le droit de te plaindre, tu vois, à ce niveau-là, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Après, je sais pas les autres joueurs comment ils pourraient en parler, mais moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça. C'était que du plaisir. J'allais là-bas, c'était que du plaisir. Ta question, Thomas ? Ouais, c'était juste savoir si lui le connaissait. Est-ce que, quel avis tu avais de lui avant ? Est-ce que cette génération dont tu faisais partie le connaissait ? Parce que je suis pas sûr que tous les jeunes connaissaient vraiment qui était Marcelo Bielsa avant qu'il arrive à Marseille. Voilà, je me pose la question. Savoir si toi tu le connaissais. Pas du tout. Honnêtement, quand il arrive, déjà. Il même pas le nom, rien. Tu connaissais même pas le nom, rien. Je connaissais pas. Ouais, ça, je suis pas surpris. Non, je connaissais pas du tout. Il arrive, en plus, on l'appelle El Loco. Donc, comme j'avais un peu des bases espagnoles, bon, j'ai compris. Et je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que ça va être? Parce qu'en plus, tu le vois, il est vraiment charisme. C'est vraiment un personnage. Bielsa, c'est pas comme tu dirais une personne que tu croises dans la rue. C'est vraiment un personnage. Le mec, il dégage quelque chose. Il est vraiment. C'est un personnage atypique. Et je ne le connaissais pas du tout. Et il arrive, déjà l'arrivée qu'il a à la commanderie, c'était quand même énorme, avec tous les supporters, les fumigènes. J'ai jamais vu ça pour l'entraîneur dans un club de foot. Donc voilà, il y avait quand même un gros engouement sur lui. Mais connaître, non, je ne connaissais pas du tout. Vraiment, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est, quand tu vois le personnage, même, tu sais, il y a des scènes qui me marquent. Lorsque tu le vois marcher, des fois, il marche seul, il regarde ses pieds. Mais tu vois qu'il fait pas la feinte pour les caméras, qu'il joue pas le jeu. Enfin, non, tu vois vraiment que c'est sincère. Tu te dis, mais en fait, on n'est pas sur la même planète que ce gars. C'est un truc de fou. Ah, mais c'est ce mec qui fait partie des génies incompris, je pense. Tu vois, si tu dis, on devrait le classer, ça, c'est un génie incompris. C'est le mec. Incompris, ça dépend où. Ça dépend où, quoi. Mais franchement, au niveau foot, il a été critiqué. Hein. Et pourtant, ce qu'il faisait, ça marchait. C'est quand même le pays, quoi. J'ai l'impression. Ouais, mais c'est le modèle quand même d'entraîneur comme Pep Guardiola. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Énorme. Bien sûr. Pourtant, il y a des gens qui arrivaient à le critiquer, à remettre en question ce qu'il faisait. Alors oui, ça n'a pas marché de partout. Mais là, actuellement, ce qu'il fait à Leeds, en Angleterre, qui est pour moi le championnat le plus costaud du monde. Chapeau. Et là, je pense qu'il a fait taire tout le monde. Hein. J'ai posé. Non, mais c'est pas pour les critiqueurs. Les gens qui vont les reprocher. On a taillé le moto là. Ouais, désolé, je suis dehors. Là, je suis comme je te dis avec l'équipe. Ils sont allés prendre. D'accord, pas de souci. Il y a l'écart, mais je suis au bord de route, donc c'est un peu de bruit. Je m'en excuse. Non, pas de souci. Déjà, merci de ta disponibilité. Tu rates un verre pour nous. Je pense qu'on te paiera le verre pour compenser. Allez, avec plaisir. Pas de souci, avec plaisir. On est obligé de t'en faire rien parce que là, je t'ai mis sur le côté pour nous. C'est extraordinaire. J'ai une question. Après, je vais laisser Azir qui souhaite intervenir. Ouais. Les séances d'entraînement. Donc là, tu nous as parlé de la planification des séances, comment elles se déroulaient, mais précisément, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, que ce soit au niveau des exercices, c'est quoi? C'est la répétition des exercices, c'est les exercices en soi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les séances d'entraînement que t'ont réalisé le staff et notamment l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa? Ah bien, ben déjà, je me rappelle au début, donc quand il est arrivé, on faisait des vidéos. À la journée, on en faisait plein des vidéos sur vraiment les exercices qu'on allait faire. Donc, avant l'entraînement, on voyait ce qu'on allait faire sur terrain en vidéo. Donc, tu avais tous les exercices avec tous les déplacements. Il y a tout qui était millimétré, tout qui était précis. Une anecdote, ça s'est déjà arrivé que Bielsa, un piqué qui était décalé de peut-être 50 cm ou 1 mètre, il le voyait une fois, deux fois, trois fois.
il a appelé ses adjoints, il dit bon, vous me levez tout ça, on passe à autre chose. Allez, allez, vous... allez, c'est fini, vrai non, c'est vrai, c'est vrai. C'est signé, etc. C'est mal fait, on le fait pas. Si c'est mal fait, on le fait pas. C'était au millimètre près. Et c'était que des exercices de passe avec mouvement, toujours en réalité de jeu, hein. Mais sans opposition, que des, avec des piquets, des bandes blanches de partout, des exercices d'appui, remise, des 1-2, des passes longues. Il faisait... les fameux Allemands gonflables, là, il les a fait. Voilà, les Allemands gonflables, mais il fallait faire des passes. C'était, quand je te dis que c'était au millimètre près, admettons, tu avais deux mannequins, l'un après l'autre, espacés de peut-être 1 mètre, 1m50. Tu avais l'attaquant au milieu, et nous, les défenseurs, et les jeunes, donc tu as un peu la pression, tu vois, tu ne vas pas te rater parce que tu dois faire des passes à des mecs comme Ayou, comme Gignac, comme Ishii. Voilà, tu en rates une, ça passe, tu en rates deux, ça grimace, tu en rates trois, tu te prends la réflexion, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, faire des passes lobées sur la poitrine du joueur pour qu'il contrôle et qu'il enchaîne derrière, des passes coups de pied de 25 mètres au ras du sol sur un piqué pour que dans la course de l'attaquant pour qu'il contrôle, c'était vraiment des exercices millimétrés. Mais voilà, l'exigence, elle était tellement haute qu'en termes de progression, tu peux pas rêver mieux, en termes de progression tactique, technique, même physique, hein, parce que ces entraînements sans opposition, comme ça, on ne dirait pas, mais ça puce énormément dans le physique. Et après, les séances de jeu, entre guillemets, il me semble que c'était que le mercredi, donc vraiment qu'un milieu de semaine, il n'y en avait qu'une. Okay. Mais franchement, je préférais faire que de la tactique que faire cette séance. Ça a été une séance, physiquement, c'était horrible. Il y avait des 7 contre 7 avec marquage individuel. Tu te retrouves avec des Nkoudou, des Ocampos qui courent de partout. Quand tu te faisais passer, tu avais l'entraîneur, tu avais ça derrière, qui était derrière une vidéo de moi, je crois, sur Twitter, qui passait à un moment donné, où c'est qu'Nkoudou, il passe, et tu entends Bielsa derrière, limite, il t'insulte parce que tu t'es passé, il te demande de prêter pour le rattraper. Mais voilà, mais c'est Bielsa, et je pense que cette exigence et cette mentalité, dans le monde du sport, et dans le foot plus particulièrement, tu en as besoin. Voilà, pour vraiment donner le meilleur de toi-même et te surpasser, tu en as besoin. Si tu as un entraîneur qui te regarde et qui te dit rien, bah, tu vas t'habituer à faire le strict minimum, et sur le terrain, tu vas le ressentir. Ça, c'est énorme. Bielsa, avec Bielsa, ben, tu n'avais pas le droit à te reposer, entre guillemets. Voilà, c'était tout à fond, tout le temps à fond. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Il n'y a pas de secret, de toute façon. C'est énorme ce que tu nous dis. Franchement, ça ne m'étonne pas, mais tu vois, de le voir et de l'entendre des joueurs qu'il a vraiment vécu, ouais, qui étaient dans le groupe et tout, c'est un truc de fou. Et rare, qui ont expliqué ces séances avec autant de précision. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, non, mais c'est là, vrai, d'entendre. C'est vrai, parce que... Bielsa, à chaque fois qu'un joueur est passé par l'homme, qu'il a joué avec Bielsa, on le bassine sur les entraînements et tout. Là, on a quand même des choses nouvelles, je trouve. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Mais ce qui est bien, c'est que tu sens... Hein. C'est qu'on sent que, Stéphane, on sent que tu t'intéresses au jeu et aux spécificités tactiques. Bon, t'en as mangé toute ta vie. Mais lorsqu'on a des interviews ou des lives avec les joueurs, on ne rentre pas assez dans la précision. Et là, j'aime bien ce côté où tu nous expliques précisément ce qui s'est passé. Parce qu'on a l'impression que certaines personnes, suiveurs de foot, ne sont pas intéressés par la tactique. Mais si, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, notamment sur Twitter, au niveau de la tactique, beaucoup de comptes qui analysent les matchs, etc. Et de voir un joueur, justement, en parler de la sorte, franchement, ça me fait énormément plaisir et c'est un régal de t'avoir. Azir. Ah, mais il m'a marqué de fou, cet entraîneur. Et pour parler de tactique, avant que Azir prenne la vas-y, parole, vas-y. Je le coupe. Chaque semaine, en championnat et en compétition, chaque semaine, en fait, on travaillait et on se basait sur le schéma tactique de l'équipe adverse. Ça veut dire que toute la semaine, tu avais des exercices avec le schéma tactique de l'équipe adverse positionné sur le terrain réellement. Et nous, on travaillait notre schéma tactique en fonction du schéma tactique de l'équipe adverse. Donc, si l'équipe adverse travaillait avec deux attaquants devant, nous, automatiquement, derrière, on était avec trois défenseurs. Deux au marquage et un libéraux, plus les deux latéraux sur les côtés, etc. Donc, à cinq défenseurs, si tu préfères. Et quand il n'y avait qu'une pointe avec un 10, donc tu jouais avec deux centraux et un 6. À chaque fois, c'est comme ça. Ils voulaient toujours avoir la supériorité numérique sur les attaquants. Et là, je pense qu'elle se situait là, pour moi, la limite, je trouve, de Bielsa. Ben, voilà, dans sa suradaptation. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette problème, suradaptation à l'adversaire, elle me posait du problème. Je trouvais qu'il est tellement intelligent, il connaît tellement le football qu'il devrait être capable à des moments, parce qu'il ne peut pas s'adapter à l'adversaire contre Lorient, contre Caen. Tu ne peux pas t'adapter. Ben, en fait, ce qui s'est passé, quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il a été pris à son propre jeu. Ça veut dire que les 6 premiers mois, parce qu'on est quand même champion d'automne cette année-là, les 6 premiers mois, tout le monde a été surpris par Bielsa. Tout le monde a été surpris parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Sauf qu'après, les autres équipes, elles ne sont pas cons. Les 6 premiers mois, tu vois que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils se sont adaptés, eux, à nous. Et c'est là qu'on a été mis en difficulté. Ouais. Parce que du coup, Bielsa, il est resté sur son idée de base.
c'est devenu trop simple. Et voilà, et si en janvier, en plus de la fatigue accumulée, bah après il y a eu la CAN, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, ça a été compliqué. Je pense que l'effectif aussi n'était pas assez étoffé. Mais ça, c'est une autre question. Mais je pense que si Bielsa, il avait changé d'idée à ce moment-là, voilà, après l'intersaison, je pense que l'équipe, elle aurait pu mieux tourner. Sauf qu'on est resté dans l'idée qui avait marché depuis le début. Et on s'est fait prendre notre propre jeu, entre guillemets. Il n'y avait pas eu une demande de l'effectif du groupe. Il n'y avait pas eu une demande du groupe, justement, de s'adapter. Alors, honnêtement, ça, je ne peux pas t'affirmer. Tu sais pas? Non, parce que je ne sais pas du tout, non. Mais tu vois, après, promis à Alzir, je te laisse poser la question. Ce que tu me dis, c'est qu'il essaie à chaque fois de s'adapter à l'adversaire. Et moi, ce que je trouve qui a été difficile, dans cette deuxième partie de saison, c'était surtout le jeu sans ballon. Et on avait l'impression que le jeu sans ballon du côté donc de l'OM était dur à suivre parce que au final, l'individuel, t'étais toujours un individuel et t'avais plus de monde au milieu de terrain. Donc, t'avais des joueurs qui étaient perdus et qui faisaient trop de courses à vide et justement laissaient des grands espace au milieu de terrain ou derrière. Moi, c'est l'impression que j'ai eue sur le jeu sans ballon du côté de la deuxième partie de saison de l'OM. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Stéphane. Ben, je pense que sur la deuxième partie de saison, il y avait surtout beaucoup de fatigue accumulée. Surtout. Parce que, mine de rien, ça demande beaucoup d'efforts, la tactique Bielsa. Quand tu voyais des Benjamin Mendy et des Djadjé sur le côté qui faisaient devant, derrière, limite qui faisaient des diagonales, ça m'est arrivé de voir Ben Mendy suivre son joueur jusqu'au côté droit, par exemple, tu vois. Mais ça, c'était l'idée Bielsa. Ça veut dire qu'on était rodé pour ça. C'est-à-dire qu'on savait exactement le joueur qu'il fallait prendre, à quel moment il fallait le prendre, à quel moment il fallait le suivre, à quel moment il fallait le lâcher. On était trop rodé sur ça, tu vois. Mais ça, quand tu le fais et que tu as de la fatigue accumulée, que tu as l'intersaison, que tu as l'hiver, etc., la trêve de Noël, après ça, l'équipe, elle a eu du mal à se remettre en route. Voilà, on a vraiment eu un coup de barre à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ce que tous les joueurs ont dit. Hein. Ça a été la trêve hivernale, elle a fait plus la CAN, elle a fait un mal fou à l'équipe. Et c'est pour ça qu'elle a eu du mal à finir la saison. Mais les six premiers mois, on s'est tous régalés. Vraiment, c'était millimétré comme pas possible. En termes de tactique, en termes de technique, en termes de mouvement, en termes d'automatisme, c'était millimétré. On s'est tous régalés. Alors, c'est sûr que les entraînements, c'était un peu barbant parce que c'est toujours pareil, c'est que de la répétition et tout. Mais le dimanche, tu pouvais jouer les yeux fermés. Moi, en tant que défenseur, quand je sortais, je suivais l'attaquant jusqu'au milieu. Je m'en foutais que le ballon il passe derrière parce que je savais que derrière, tu avais Romao, le milieu qui prenait ma couverture, tu avais un clou qui couvrait, tu avais des yeux qui fermaient. C'était tranquille. Les équilibres, ils étaient faits à la perfection. Donc, à partir de là, tu n'as pas peur de sortir et de suivre l'attaquant. Même jusqu'à notre deuxième partie de terrain, tu joues sans crainte, en fait. C'est vrai, on se rappelle notamment le rôle qu'avait Giannelli Moulin au milieu de terrain. C'était incroyable, seul au milieu, bon, avec les compensations, notamment de Mendy et de Djadji qui rentraient à l'intérieur et les trois défenseurs, souvent Antanin qui sortait balle au pied. Mais position de base, il était seul au milieu de terrain. C'est vrai que c'est un truc de fou. Azir, ta question, vas-y, je t'écoute. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, ça va. Ouais, ça va. On dirait l'ORTF, mais ça va. Hein, Désolé, je n'ai pas mis les écouteurs, mais je ne sais pas quel est le... Tu sais qu'on dirait quoi? On dirait que tu parles avec un taki-walki, je te jure. Azir, c'est pas grave, Azir, je t'en veux pas. Vas-y, Azir, lâche-toi, dis-nous tout. Enlève les écouteurs, fais ce que tu veux. Ah, je l'ai vexé, non, jamais de la vie. Azir. Tu m'entends mieux, là. Oui, ouais, très bien. Vite qu'il n'y a pas de voiture. Là. Oui, rapidement, déjà la première remarque, déjà vraiment merci, hein, je rejoins les autres sur la précision, c'est hyper passionnant, hyper passionnant. J'espère que les auditeurs se régalent également. Moi, j'avais une question sur un moment précis, à savoir le match, on en a déjà parlé beaucoup ici, donc, notamment avec Amaïs et les autres dans Passe ton ballon, le match face à Reims, le 5-0. Pour ma part, c'est une des plus belles prestations collectives que j'ai pu voir de la part de l'OM, de mon vivant. Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur? Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez compris la force du collectif, la force des principes qui sont demandés par le staff en place, le staff de Bielsa? Parce que, voilà, de l'extérieur, c'était vraiment une démonstration, une leçon de football. Vous avez écrasé Reims ce soir-là. C'était vraiment une démonstration de puissance. À Reims en plus. Mais ce match-là, c'est pas celui où on démarre un peu mal, que je crois que c'est Steve, il arrête un penalty et ensuite derrière, ça déroule. C'est d'accord, ça. Ouais, c'est ça déroule. Même Gignac qui rate un penalty à un moment donné, mais bon, l'équipe n'est pas débordée, n'est pas par ces événements-là et gagne 5-0 vraiment en déroulant. Comment est-ce que tu peux nous raconter ça de l'intérieur?
Ah ben, à ce moment-là, l'équipe, c'était un rouleau compresseur. Hein. En Ligue 1, c'était une équipe, on était limite imbattable. Hein. Et tu rentrais sur le terrain, en fait, avec une confiance, mais totale. Parce que justement, tous les déplacements, toute la tactique, il y a tout qui était millimétré. Donc, les joueurs, en fait, ils jouaient sans crainte. Ils savaient très bien que s'ils sortaient sur quelqu'un, derrière, c'était la couverture assurée. Donc, il n'y avait pas d'appréhension et pas de crainte sur tout ça. Du coup, automatiquement, quand tu joues libéré à ce point, derrière, ça déroule. Et puis, tu avais quand même de la qualité technique dans cette équipe. Tu avais des joueurs vraiment. On avait the équipe, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, on savait qu'on était une équipe à fort potentiel. Et voilà, une équipe en pleine confiance, ça donne des matchs de haut niveau comme ça, où c'est que tu déroules. Tu as l'impression que les buts, c'est facile. C'est facile de marquer des buts. Voilà, tu as même Ayou, il avait marqué en coup du foulard. Voilà, la confiance a été à 200% chez nous. Donc voilà, on se sentait vraiment, vraiment imbattable. Voilà. C'est la première fois PSG que c'était la même chose. Mais c'est vrai que c'est la première fois, je ne sais pas ce que tu en penses, toi Stéphane, qui regarde le football en général, que je vois l'OM, tu vois, gagner aussi facilement à l'extérieur, mais tu vois, une force de démonstration avec l'OM, tu as toujours cette boule au ventre, tu vas mettre 2-0, oui. Il y aura toujours cette situation litigieuse, tu vas te faire douter, je te jure, mais c'est un contre Lens aussi, au Stade de France. Incroyable. Ouais, je me rappelle plus trop de Lens, je me rappelle que j'étais sur le banc. Mais du match, il m'avait moins marqué que Reims, par exemple. Mais je sais que la deuxième mi-temps, c'est waouh. Mais c'est vrai, ce sont des matchs sur la maîtrise que j'ai. C'est oui. Je vais pas dire jamais, mais j'ai pratiquement jamais ressenti cette sensation de supériorité. J'ai l'impression de voir toi en Allemagne. Je parlais de ça avec Azir pour que c'était hier. J'ai l'impression de voir, tu vois, le Bayern lorsqu'il se déplace à Hoffenheim. Tu te dis, ouais, ça va être chaud, ils vont les presser haut pendant 10 minutes. Et après, ils calment tout. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, j'ai eu la même impression sur ce match-là ou sur le match notamment face à Lens ou même. À Toulouse, lorsque tu gagnes 6-1, j'ai l'impression de malade. J'en ai un fou. Saint-Etienne au Vélodrome. Ce match-là, c'est l'un des matchs qui m'a beaucoup marqué, où c'est que tu joues, à 20 minutes de jeu, tu gagnes déjà 2-0. Mais c'est ce match qui m'a le plus marqué, Soubile, ça. C'est le match qui m'a le plus marqué. C'est impressionnant. Franchement, j'étais sur le banc ce match-là, et je regarde, l'équipe, elle commence, et là, tu sens qu'il peut rien t'arriver. Déjà, dès le début, tu sens que Saint-Etienne, ils sont dessous, mais de tellement loin. Et là, ça déroule 1-0. 2-0, 20 minutes de jeu, 2-0, tu as l'impression que le match, à 20 minutes de jeu, à 2-0, tu as l'impression que Saint-Etienne, tu te dis Saint-Etienne, ils reviendront jamais, c'est impossible. Ouais, tu le sens. Tu le sens. Tu vois l'équipe, comment elle joue, tu vois les joueurs, les déplacements, l'aspect tactique est respecté parfaitement. Tu sais qu'il peut rien t'arriver. Ouais, tu as des matchs comme ça cette saison, tu en as eu à l'appel. C'est pas comme cette année où tu as des matchs, tu as 1, 2, 3 matchs, tu te dis, vas-y, on est tranquille. Là, vraiment, c'est quasiment tous les matchs, tu savais que tu allais mettre des buts, que tu allais gagner limite, que tu savais, tu étais serein, même en tant que supporter ou en tant que joueur, tu savais, de base, tu savais. Amaïs, si tu voulais intervenir, vas-y Amaïs. Non, bah, déjà pour rester sur le côté positif, parce que j'avais une question qui allait un peu foutre la merde, mais pour rester sur le positif, moi en tant que supporter, j'appuie les propos de Stéphane. Il y avait des matchs sous Bielsa, à domicile, même parfois avec ça, c'était... Ouais, limite comme dans un rêve de voir l'OM dominer comme ça, aller de l'avant tout le temps, tu kiffes. Après, malheureusement, ouais, au final, tu ne gagnes pas et tu n'as pas un classement vraiment significatif. Mais au fond, nous, on regarde le ballon pourquoi ? Pour avoir des émotions. Et l'équipe de Bielsa, c'est ce qu'elle nous a procuré. Et c'est pour ça qu'on s'en souvient. Même les détracteurs, au final, se souviennent des matchs de Bielsa. On parlait du match contre Toulouse, du match à Reims, du match contre Saint-Etienne. Franchement, il y a eu très peu, voire aucun match ensuite qui est arrivé à la hauteur de ces rencontres. Notamment le OM Bordeaux, je ne sais pas si tu te rappelles, le OM Bordeaux, le 3-1. Oui, on a eu 50 000 occasions. Il est exceptionnel à la fin quand tu as Fanny qui tire, Batshuayi, c'est Rod Fanny à 2-1. Tu peux pas bétonner, mais tu peux te dire tranquille. Et le gars, il monte, il apporte le surnombre. Ça t'amène cette action exceptionnelle où Batshuayi fait un beau crochet. Waouh, c'est. Tu en as eu plein. Tu as même la séquence de match juste avant la trêve hivernale que tu termines par Lille, que même Michy est titulaire ce match-là. Oui, oui. Tu as une séquence de matchs gagnés, tu as eu Monaco, tu as eu Lille, tu as gagné 3 ou 4 matchs d'affilée juste avant la trêve, où c'est que c'était, mais ça paraissait facile. Chaque fois qu'il rentrait, il plantait un ou deux buts, il rentrait 15 minutes, il était titulaire, il marquait un ou deux buts, Gignac, il était en folie, Alessandrini, pareil, tout le monde, Ayou, Imboula, Payet, pareil, Nkoulou derrière,
Morel, Nkoulou Morel, personne n'aurait parié sur ça. Ça a été la défense de la Ligue 1 de l'année, ça a été l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Tout le monde était sur un nuage cette année-là, tout le monde. C'est vrai que c'était une saison exceptionnelle. Sony El Comandante sur le hashtag Space013, donc allez-y, posez-nous les questions et j'essaie d'en lire un maximum. Stéphane est avec nous, passe un bon moment et essaiera d'y répondre. Il te dit tout simplement, Sony El Comandante, notre ami Sony, qu'est-ce que Bielsa t'a apporté? Tout. Voilà, pour résumer, tout. C'est-à-dire en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de notion de mentalité et tout, il m'a tout apporté. Vraiment, avec, comme je disais, comme je dis toujours depuis le début, une saison et demie avec Bielsa, voire deux saisons, j'ai gagné presque 6 ou 7 saisons professionnelles avec lui. Ah ouais. J'ai niveau progression, ça a été une progression fulgurante avec son entraîneur. Il m'a tout apporté, à tous les points, à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'il te lance directement dans le grand bain et ce match face à Bastia, 3 ouais, partout, à Furiani. La question, on va la lire si je la retrouve, ça tourne en même temps. Alors, c'est une question de, je crois que c'est notre ami Gagou. Gagou qui nous pose la question. Ah, elle n'est plus la question, Gagou, elle était bien cette question. Non, elle n'est plus. Mais je vais la poser quand même, Gagou. Gagou, si tu peux la reposer, on la mettra sur le hashtag. Qui te demande simplement, je crois qu'il t'a demandé, raconte-nous ton match à Bastia, il te dit, Gagou. Sort la mi-temps. Bastia, c'est ça. Alors c'est Lucas Mendes qui te remplace, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. Mi-temps, donc, c'était mon premier match en pro, donc après la saison 19DH. Donc imagine le tremplin, 19DH Ligue 1. Non, mais c'est vrai que c'est énorme. Là, le gap, énorme, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Mais même entre nationaux et Ligue 1, moi je trouve que le gap il est énorme. Alors là, entre DH, mais DH c'était. Division d'honneur, on devait remonter en national parce que c'était un délire. Ouais. Et moi j'arrive, je fais la préparation du groupe élite et je me retrouve là, je m'entraîne. Mais dans ma tête, jamais je me dis déjà que je vais faire un match amical. Dans ma tête, je m'entraîne. Mais je vais retourner jouer en CFA, c'est pas pour moi. Tu avais des mecs comme Aloé déjà qui étaient plus confirmés que moi. Tu avais d'autres mecs devant moi. Et là arrivent les premiers matchs amicaux. Et d'un coup, je suis sélectionné pour les matchs amicaux. Et là, alors vraiment, je comprends pas. Mais je me dis, c'est que du plus de toute façon. Je pense qu'il y a à prendre, etc. Donc je joue Benfica, je fais les entrées, je joue Vérone, etc., etc. Et arrive le premier match de Ligue 1. Et je sais pas qui c'est. Je crois que c'était Nkoulou qui était suspendu cette année-là. Il avait pris une suspension l'année d'avant. Il est suspendu ce match-là ou quelque chose comme ça. Et là, pendant la semaine, donc on travaille et tout. Et je me rappelle, Gignac qui vient me voir et me dit « Tu sais que tu vas jouer ?» Et moi, je dis « Non, ça va, c'est pas possible. » Et effectivement, il avait raison parce que du coup, je m'entraînais avec l'équipe titulaire. Mais c'est quoi qui t'a fait douter que tu pensais que tu n'avais pas joué? C'est ton statut au moment même ou tes performances à l'entraînement? Donc, tu savais même que tu étais bon à l'entraînement, non? Franchement, je voyais que je faisais des bonnes performances et tout. Mais par rapport à mon statut et par rapport à mon âge et par rapport au fait que j'arrive de 19DH, jamais je me suis dit, Bielsa, il va me faire jouer. Quel entraîneur aurait fait ça? Cite-moi un entraîneur qui aurait fait ça. Non, c'est vrai. Okay. C'est à l'OM. Guéret aurait pu le faire. Ouais, et encore. Mais ouais, à la rigueur, c'est l'un qui se rapproche le plus de ça. Et donc, surtout à l'OM, en fait. C'est à l'OM, de lancer des jeunes comme ça, ça n'a pas été souvent fait, on va dire. C'est jamais. Ah oui, je parlais de l'OM, sinon je t'aurais dit Claude Puel direct. Hein. Et là, donc arrive le match de Bastia, donc je joue, etc. Je fais la première mi-temps. Et honnêtement, physiquement, j'ai senti la différence. J'étais mort. Et à la mi-temps, Passy vient me voir. Il me dit, Steph, ça va? Je dis, ouais, ça va, juste, je commence, ça me tire au niveau des ischios, ça me tire aux ischios, aux mollets, tout, ça me tire. Et voilà, je dis, ouais, ça me tire et tout, etc., etc. Et je crois qu'il en a parlé à Bielsa, et là, il a fait le choix de me sortir. D'accord. Mais il n'y a pas eu de blessure, ou il n'y a pas eu... C'était juste là, j'ai dit que ça me tire, etc. Et bien ça, je pense qu'il n'a pas pris de risque ou, par rapport au match, etc. Voilà, je suis sorti à la mi-temps par rapport à ça. Mais il n'y a pas eu de... C'était pas parce que je faisais un mauvais match, c'était pas parce que j'étais blessé, c'était pas parce que... c'est juste que je pense qu'il n'a pas pris de risque par rapport à ça, que je lâche en pleine deuxième mi-temps ou quoi. Honnêtement, j'ai pas la réponse, hein, mais ce qui s'est passé, c'est ça. Ouais, ça, en plus, t'as fait déjà une quinzaine de bancs, t'as fait 4 matchs en Ligue 1, du coup, sous Bielsa, donc c'est vrai que ça a dû être une saison pour toi déjà surprenante et t'as dû en apprendre énormément, comme tu l'as dit. Cette saison, ça a été la saison d'adaptation, on va dire. C'est ça. C'est l'année d'après où l'année où Bielsa part, en fait. Lors de la pré-saison, des matchs amicaux, etc. Là, vraiment, je me sens en pleine confiance et je sens que Bielsa me fait confiance et vraiment m'intègre au groupe pro. C'est-à-dire que
Je me sens plus comme le jeune du groupe Elite, mais je me sens comme le jeune, voilà, le joueur professionnel en fait. Je suis plus le jeune. Dans quoi tu l'as senti dans les échanges, dans le relationnel que tu avais avec lui? Non, c'était simplement par les sélections, ce qui se passait, on va dire, sur le terrain. Il n'y a pas d'échange. Ah ouais, tu confirmes qu'il ne te parle pas? Non. Enfin, je ne veux pas dire qu'il avait ses joueurs, parce que ce n'est pas vrai. Il aimait tous ses joueurs. C'était un mec, c'est l'entraîneur, il laissait ses joueurs, c'est ses enfants. Mais il avait, il était proche de Ben Mendy, de Michy, Mboula, mais vraiment des cadres, tu vois. Après, moi, en tant que jeune, la seule fois où vraiment il m'a parlé avec le grand sourire et tout, c'est quand c'est pour ma première sélection d'équipe de France. En plein entraînement, j'étais en plein exercice, comme ça, je fais une passe, il vient me voir, il me dit en espagnol, félicitations pour ta sélection et tout. J'ai dit merci, et là, on reprend l'entraînement normalement. Et voilà, mais sinon, moi, ce que je l'ai remarqué, déjà aux entraînements, je faisais plus partie du groupe élite, je m'entraînais vraiment comme les pros. Et puis après, pendant les matchs amicaux, j'ai fait tous les matchs amicaux titulaires, je suis rarement sorti. Et là où j'ai eu le déclic, ça a été le match de la Juventus, parce que le match avant la Juventus, le match amical, moi je le fais pas, comme les pros qui jouent la Juventus, tu vois. Et ça, c'est un signe. Je joue la Juventus titulaire, c'est pas rien. Je fais sortir, je crois, à la 75e ou 70e. Et le match qui suit, c'est le match de Caen en Ligue 1. Et lui, je le joue titulaire aussi. Donc là, vraiment, je comprends, même un peu avant. Mais là, je me dis, ouais, ça y est, je suis lancé, c'est bon, tu vois. Et après le match de Caen, il s'en va. Et là, alors là, ça a été, il m'a coupé l'arbre sous le pied, tu vois. Ça a été compliqué parce que derrière, entre temps, c'est Franck Passy qui prend le relais et Mitchell qui arrive dans la foulée. Et Mitchell, alors moi j'ai rien contre cet entraîneur. Hein. J'ai pas eu de problème avec cet entraîneur. Tout s'est bien passé avec lui, sauf que on a senti nous les jeunes. Que voilà, c'était les vieux et après les jeunes. C'était pas comme Bielsa, tu vois. Okay. On a senti qu'il y avait l'équipe. À Mitchell, j'ai joué. J'ai eu la chance de jouer en. Ouais, ça, t'as fait 14 apparitions. Et voilà, t'en as fait 7 en Ligue 1, 4 en Ligue Europa. En Coupe de France, tu en fais une et deux en Coupe de la Ligue. Donc, au niveau du temps de jeu, c'était pas mal, non? Niveau stats, c'était très bien. C'est pour ça que je crache pas sur Mitchell. Bien au contraire, j'ai joué l'Europa League, j'ai joué des Coupes de France, Coupe de la Ligue, j'ai joué. Des matchs officiels en Ligue 1. Donc voilà. Mais voilà, Mitchell, c'est pas Bielsa. Voilà. Okay. En termes de tactique, en termes d'entraîneur, d'entraînement, etc., ça n'a rien à voir avec Bielsa. On va y revenir sur Mitchell notamment. Tu as une question sur le hashtag Space 013. Non. T'as la une. Et non, j'en avais une depuis 15 minutes. C'était ma fameuse question. Justement, vas-y, envoie là. En vrai, je vois que sur le space, c'est à peu près la même question. Donc voilà, on peut pas parler de Bielsa sans parler de la deuxième saison, surtout quand on l'a kiffé comme moi. Il y a plein de joueurs après coup. Stéphane, bon, toi, je vais pas les nommer, mais je vais les nommer pour toi vu qu'ils l'ont dit publiquement. Des joueurs comme Barada, Alessandrini, Thauvin. Qui ont fustigé les méthodes d'entraînement de Bielsa après coup. Est-ce que toi, tu as senti que le groupe a lâché, ou du moins une partie du groupe a lâché en deuxième partie de saison? Parce que tu as fait le parallèle notamment avec Leeds, qui a tenu deux saisons de Championship avec des saisons à 46 matchs. Ils ont quand même tenu. Et nous, au bout du 22e, 23e match, on dirait qu'il n'y avait plus personne. Et est-ce que toi, tu l'avais constaté à l'entraînement? Oui, ça se sentait dans l'atmosphère et tout. Les joueurs, tu sentais qu'ils étaient... C'était même pas entre guillemets un dégoût de la méthode Bielsa, c'était surtout de la fatigue accumulée, je pense. Avec toute cette fatigue, etc., et toujours refaire les mêmes choses, rester sur quand même un schéma monotone, je pense qu'ils étaient fatigués de ça. Et ça s'est ressenti, de toute façon, tout le monde l'a vu sur la deuxième partie, tout le monde l'a remarqué. Et ça, et après, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Leeds, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec des amis et d'autres personnes. Je pense qu'aussi la mentalité, elle y joue beaucoup. Voilà, la mentalité anglaise et la mentalité française, elle n'a rien à voir. En termes de travail et d'abnégation, ça n'a rien à voir. Pour moi, je peux m'inclure dedans, même si j'ai pas mal évolué par rapport à ça en partant à l'étranger. Mais je pense qu'en France, on est feignant par rapport à d'autres pays, comme l'Angleterre, par exemple. Après, la gestion, je pense, des clubs français et des clubs anglais, c'est différent. D'après ce que j'ai compris, en Angleterre, ils ont beaucoup plus de jours de repos, beaucoup plus de liberté par rapport à la France. Donc, est-ce que ça joue pas ça aussi dans la tête des footballeurs? Je sais pas. Mais en Angleterre, déjà, la mentalité des joueurs anglais, la mentalité des joueurs français, ça a rien à voir.
Notamment les joueurs, notamment Calvin Phillips, tu sais, qui compose le 11 de la sélection anglaise, sont des joueurs qui, peut-être, on va dire, n'auraient pas eu l'ombre d'un espoir de pouvoir être sélectionné. Là, le gars, il est en finale d'Euro, titulaire. C'est un truc de fou. C'est vrai que c'est un truc de fou. Même les joueurs comme Alioski, qui joue à Macédoine. Qui a joué l'Euro aussi, sont des joueurs, je ne vais pas te mentir, Alioski, tu le mets dans n'importe quel club de Championship ou même de Ligue 1, donc la troisième division anglaise, je ne pense même pas qu'il soit au-dessus. Mais c'est vrai qu'en termes d'abnégation, de rigueur, d'écoute de l'entraîneur, ce sont des joueurs qui ont énormément progressé. Et peut-être que lui aussi, le coach argentin, a su se renouveler changer pour changer aussi, sa méthode aussi. Bien sûr. Peut-être. Mais non, disons que quand tu le parlais avec l'OM... Tu vois, on est tous supporters de l'OM ici autour de la table. Tu vois, j'ai un peu la haine. Leeds, ils font deux saisons, 46 journées. La première, ils font les playoffs, ils ratent la montée de peu. Et la deuxième année, ils montent facilement. Et tu te dis, mais mince, pourquoi nous il a manqué le truc, là, qu'on aurait pu faire une... C'est une question de culture. Incroyable. Culture, d'habitude. En France, on n'est pas habitué à ces méthodes d'entraînement. Hein. Pour être honnête, on n'est pas habitué à ça. Et je pense que les charges de travail, elles sont très faibles en France par rapport à ce qu'il faut en Angleterre. Et ça se voit dans le rythme des matchs. Quand tu regardes le championnat anglais, le championnat français, tu as un monde d'écart. Hein. Mmh. Ah, clairement, mais de toute façon, dans la question que je t'ai posée, ce n'est pas anodin qu'il y ait des joueurs cadres ou un peu moins, mais qui faisaient partie au moins de la rotation, qui se soient plaints après coup. Genre, ça montre aussi la mentalité d'une partie des joueurs. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon. Ouais, après, il ne faut pas accabler les joueurs non plus. La méthode Bielsa, c'est quand même une méthode très fatigante, mentalement surtout. Au-delà du physique, mentalement, ça puise. Alors après, oui, j'entends toujours les gens dire « Ouais, mais ils sont footballeurs, ouais, mais ils sont payés pour faire ça, ouais, mais... » Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas, beaucoup de concessions qui ont été faites depuis très jeune, etc. Tous les jours, certes, ils ont des gros salaires, mais bon. Après, il y a, tout ce qu'on ne voit pas qu'il faut prendre en compte aussi. Donc, on revient. C'est une grosse fatigue, quand même, une grosse fatigue en deuxième partie de saison, et c'est ça surtout qui a fait basculer la balance du mauvais côté. Ben ça revient à l'objectif match, et qu'on a tous vu et revu ce qui dit aux joueurs, hein. Faut choisir d'être heureux ou d'être bon, hein. En gros, ce qu'a dit Bielsa, ou même l'interview qu'a faite Benzema il n'y a pas longtemps, quand il disait que voilà, que tout jeune, il s'est privé de tout, au niveau sortie, au niveau plaisir, passe-temps, pour justement avoir la carrière qu'il a eue. C'est vrai que lorsqu'on est joueur de centre de formation, sportif professionnel, t'es dans un monde parallèle, en fait. T'es pas dans le même monde que les autres humains. Clairement, tu dois faire des choix, surtout. Et quand tu es un gamin de 16, 17 ans, 18 ans, qu'entre guillemets, tes collègues, ils sortent ou ils fréquentent ou quoi, toi, tu restes chez toi parce que le lendemain, tu as match ou que tu dois être performant. Mais après, attention, c'est un choix de vie. Hein. Oui, bien sûr. C'est un choix de vie. C'est le choix qu'on a fait. Et je le regrette pas du tout. Hein. Je préfère faire ce que je fais qu'autre chose, hein, pour être honnête. Mais voilà. Oui, on a le droit de dire, que parfois c'est difficile, sans tomber dans la démagogie. Ouais, mais il y en a qui travaillent sur le chantier, patate, c'est bon, ça on l'a entendu. Après, il y a des difficultés dans tous les corps de métier, partout, et la pression qu'il y a lorsque tu es joueur professionnel, et comme on a dit, la manière, on va dire, de gérer la carrière et de se priver de certaines choses. Parce que tu parlais de la première ligue, les joueurs en Angleterre, ils arrivent au centre d'entraînement, il est 8-9 heures, ils prennent le petit déjeuner, ils s'entraînent, ils restent pour la collation, pour le repas de midi. Et ensuite ils font les soins, les kinés. Donc le gars arrive à 8 heures et sort de l'entraînement à 15, 16 voire 17 heures. Donc ouais, aussi cette approche qui est différente en première ligue. Non, mais oui, ouais, mais ça me paraît moi aussi, c'est logique. Entre guillemets, c'est ton métier. Le matin, tu arrives, tu fais peut-être des grosses séances ou pas le matin. Mm. Tu manges au club parce que le club, voilà, il t'oblige à manger, ce qui est normal parce que l'alimentation, ça fait partie du job. Et l'après-midi, soins, massage, etc. Pour moi, c'est de faire ça, c'est normal. Mais comme je te dis, c'est une question de culture. En France, ça m'étonnerait que les clubs fassent ça. Et puis, au niveau de liberté, pardon. Je pense qu'il y a plus de liberté en Angleterre qu'en France, en termes de jours off, justement, pour faire décompresser les joueurs. Parce qu'un joueur de foot, il a besoin de décompresser avec toute la médiatisation et toute la pression qu'ils peuvent avoir, entre guillemets. Je pense que c'est intéressant de laisser 2-3 jours à des joueurs, quoi, de temps en temps, bien sûr. Relâcher la pression et revenir, ne pas être lassé du foot. Alors, je ne dis pas que le foot, c'est lassant. Mais tu vois, quand tous les jours, c'est répétitif et tout, avec la pression, le si, le là, le mental. Après, tu les à côté, tu as le... Attends 2 secondes, une voiture. Vas-y, pas de souci. Et avant que... Vas-y. Le,
le tu vois, tu as aussi au-delà de ce que les gens peuvent voir sur le terrain, tu as aussi après, comme tout le monde, attention, hein, je dis pas que les footballeurs sont différents, mais tu as les problèmes familiaux, les problèmes, tous les autres problèmes de la vie que tout le monde peut avoir, qui peuvent influer aussi sur les performances, etc. Donc c'est pour ça, des fois, d'avoir plus de temps libre, ça peut être bien justement pour que les joueurs, eh ben, ils oublient un peu le foot et quand ils reviennent, ils soient 200% comme ils devraient être, tu vois. Et pas justement être à 70%, 60% parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il n'est pas bien dans sa tête, etc. etc. Voilà, le mental, pour moi, c'est 70% dans le foot. Au-delà des qualités physiques et techniques, le mental, c'est ce qui fait un joueur de foot. Si tu es fort dans ta tête, tu es bon sur le terrain. Si dans ta tête, tu es faible, eh ben, après, comme dans la vie tous les jours, hein, mais le mental, c'est la priorité. Et notamment, tu parlais de la première ligue, justement, ben, ils ne sont pas coutumiers du fait des mises au vert. Ils n'aiment pas les mises au vert. Et justement, hein, ça corrobore, ça confirme tes propos. Bon, oui. Là, c'était la même question qu'avait posée El Massiliado sur le hashtag Space013. Hein, donc, est-ce que les joueurs ont lâché Bielsa? Donc, cette question, Amaïs l'a posée. T'as Smaïn Delors qui te dit, alors Smaïn Delors qui nous dit, quand on voit la progression et la régularité de Leeds depuis 3 saisons, est-ce qu'on peut dire qu'à l'OM, le groupe a manqué d'investissement, donc à deuxième partie de saison, honnêtement? Et bon, et t'as la question de El Massiliado, du coup, qui te dit, est-ce que t'as eu des clashs dont on n'a pas parlé, mis à part, voilà, le clash entre Payet et qu'on appelle ça, et Bielsa avant la trêve. Est-ce que tu as d'autres clashs qu'il y a eu entre Bielsa, les joueurs, ou des choses à nous faire remonter sur le groupe? Non, en termes de clash, honnêtement, Payet, c'était même pas un gros clash. Ouais, c'était une question de vacances, et que Payet, tu as dit, c'est bon, vas-y, allez, pars en vacances, et tu reviens. C'était pas spécialement un clash, voilà, c'était un petit désaccord, mais au final, ça s'est arrangé vite fait. Franchement, il n'y avait pas de. En tout cas, de moi, ce que j'ai pu voir dans la serre, j'ai pas vu de clash, j'ai pas vu vraiment de dispute ou quoi que ce soit. Hein. Non, il n'y a pas eu. T'as même pas vu l'embrouille avec Fabrice Olszewski, le traducteur? Non, je l'ai pas vu. C'était avant que les joueurs viennent. Je l'ai pas vu, cet embrouille. On en a reparlé hier. Le traducteur de Bielsa. Ouais, le traducteur, c'est vrai qu'il y avait une embrouille comme quoi Bielsa lui avait dit, viens, on va parler. On va se battre, on va se pêcher carrément. On m'en a reparlé hier, mais je l'ai pas vu du tout. Et je l'avais même oublié, tu viens de faire remarquer parce que j'avais oublié qu'il y avait cette embrouille. Mais à part ça, honnêtement, j'ai rien de croustillant à ce sujet, désolé. Non, pour le coup, je sais qu'on attend tout ça, mais malheureusement. J'attendais que ça depuis 1h30, putain. Désolé, vraiment. J'ai attendu pour rien. Non, pour le coup, Fabrice est un ami. Et moi, j'ai eu sa version des faits, mais je voulais savoir si les joueurs étaient au courant ou pas, justement. Mais est-ce que ta version des faits? On m'en a reparlé hier. Contacterez Fabrice, vous parlera. Ouais, voilà. Je pense que c'est mieux de parler directement à Fabrice, mais de ce que je sais, apparemment, il a dit, viens, on va parler dans la colline. Arrive à la colline, il a dit ouais, il voulait se battre avec lui apparemment. Après, je n'ai pas la version officielle. Ce qui me tue, c'est que la version là que tu viens de citer, c'est la version qu'il a dit à l'émission J+C sur Canal. C'est exceptionnel, l'interview qu'il fait à Canal. Voilà, il le dit clairement. C'était l'endemain, je crois, des défaites. Et lorsque Bielsa perd, comme tous les entraîneurs au monde, il a pas envie de parler, etc. Il est pas bien. Et du coup, voilà, il y a un désaccord. Je sais plus, c'est sur la mise en place d'entraînement. Donc, Amaïs ne nous le dira pas, mais il peut confirmer ou infirmer mes propos. Il va me taper après, sur les doigts, sinon, Fabrice. Mais imagine, tu te retrouves au milieu de ça, de la bagarre entre Mais là, et le traducteur, vraiment, tu fais quoi? Tu réagis comment? Honnêtement, je ne sais pas, parce que quand tu vois bien ça, le personnage que c'est, j'étais en train de penser, je ne sais pas si je ne fais pas demi-tour, ou si j'ai rien vu, je dis, c'est bon, je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas, démerdez-vous. C'est vrai que c'est... C'est délicat, là. On va poursuivre donc cette deuxième partie de saison. On en a parlé brièvement parce que l'OM, voilà, vous finissez quand même qu'à 2 points du podium. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on en a parlé, que Bielsa finit 6e à 9 points du podium ou à 10 points, finit quand même à 2 points. C'est vrai que par rapport à l'espoir qu'il y a eu sur cette saison, c'est décevant, hein, cette dernière journée, et l'OM qui finit 4e, car Monaco s'était imposé, si je me rappelle, à Lorient. Donc du coup, toi, voilà, tu t'imposes aussi, mais tu restes du coup 4e. T'as notre ami Sony qui te posait la question sur l'hashtag Space013. Qu'est-ce qui a manqué, tout simplement, sur cette deuxième partie de saison, au-delà de l'effectif, tactiquement, voilà, qu'est-ce qui a manqué techniquement, tactiquement, pour que voilà, tout simplement, bah, déjà de passer ce cap de la troisième place.
Ben, je pense déjà de la fraîcheur physique due à la méthode Bielsa, mais aussi due à l'effectif qui était quand même restreint. Avec la CAN, etc., on a perdu beaucoup de joueurs et l'effectif, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont énormément joué. Donc je pense qu'il y avait de la fraîcheur physique en moins et peut-être il aurait fallu peut-être une remise en question de Bielsa et du staff justement pour faciliter le commencement des matchs, etc. Parce que c'est vrai qu'on a été vachement mis en difficulté sur la deuxième partie de saison par les autres équipes. Hein. Donc, il y a une adaptation tactique aussi, voilà, des adaptations sur ce que tu disais. Voilà. Parce que moi, sur toutes les équipes, tu les vois arriver, ils mettent du monde dans le camp de Marseille, ils mettaient du monde, la projection rapidement, de la transition très rapide avec des... Moi, c'est le match de Lorient qui illustre parfaitement ça. Jordan Ayew, il a fait ce qu'il voulait. Mais ah c'était oui. N'importe quoi. Là. Mais il y avait des choses tactiques qui étaient totalement aberrantes. C'est pour ça que je comprends, moi, le j'aime ou j'aime pas de Bielsa chez certains supporters de Marseille. Moi, j'en fais pas forcément partie. Mais il y a des choses tactiques que proposait Davas, mais des choses toutes simples. Et Bielsa n'arrivait jamais à contrer ça. Ah, parce qu'il voulait rester sur son idée. Je pense qu'il a été Je pense qu'il a été un peu têtu sur la deuxième partie de saison. Ouais. Mais bon, après, voilà, il a énormément de qualité, mais il a aussi ses défauts, après, comme tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime. Et même après, je pense que ça a été le souci. Mais c'est toujours pareil, quand on compare l'OM et Leeds, pourquoi ça marche à Leeds et pas l'OM ? J'ai pas la réponse à la question, mais pourquoi Leeds, sur une saison, il est devenu plus pragmatique à Leeds, hein. Après, voilà, j'ai pas suivi les matchs de Leeds, donc je peux pas. Ouais, trop, ouais, c'est plus pragmatique, il prend moins de. Il a quand même plus de sécurité dans son jeu, et je pense qu'il a pris conscience aussi qu'il avait un potentiel offensif beaucoup moins important que, par exemple, à Marseille. Ouais. Mais du coup, il a dû, là, pour le coup, il a été quasiment contraint de s'adapter. Et non, vraiment, on voit des principes dans le Leeds par rapport à l'OM 2014-2015, mais on n'est pas sur ce pressing à tout va. Ça reste quand même beaucoup plus pragmatique, je trouve, qu'à Marseille. Ouais, voilà. Après, s'il s'est adapté, c'est pour ça aussi que Leeds, ils sont plus performants sur le long terme que ce que l'a été l'OM. Mmh. On a une question d'Azir. Pardon, Azir, je t'écoute. Oui, pardon. Tu parlais du staff de Bielsa. Est-ce que tu constatais qu'il prenait en compte les conseils des membres de son staff, où il avait une approche que je qualifierais, peut-être un terme un peu extrême, totalitaire dans ses prises de décision? Et est-ce qu'il avait aussi, parce que tu parlais tout à l'heure qu'il avait une relation peut-être un peu plus privilégiée avec certains cadres, est-ce qu'il se concertait aussi avec eux sur certains choix? Parce qu'on parlait justement de tactique et de certains déplacements. Il y a quelques minutes, tu parlais aussi de certains mouvements défensifs notamment. J'ai revu le match face au Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. On voit vraiment des fois où Djadjé, latéral droit, il va suivre l'ailier gauche en faisant des diagonales, en traversant le terrain. Enfin, on a des ouais, comme il a dit pour Mendy, ouais. Ouais, c'est ça. C'est assez fou. Est-ce qu'il y avait de la concertation entre Bielsa et les membres de son staff, et parfois aussi avec certains cadres de l'effectif? Est-ce que tu as pu le constater, le visualiser? Moi, ce que j'ai pu constater de l'extérieur, après, moi, j'étais jeune, je ne faisais pas trop attention à ça, mais de ce que j'ai pu voir, j'avais l'impression que le staff, ils étaient un peu en retrait à Bielsa, dans le sens où, pas qu'ils avaient peur de mal faire, mais vraiment, ils avaient toujours peur que ce soit mal fait, parce qu'ils savaient que Bielsa, derrière, c'était une crise assurée. Donc je pense que Bielsa, il était assez totalitaire, entre guillemets, sur ses prises de décision. Ça veut dire que je sais même pas s'ils se permettaient de donner leur avis au coach. Mais s'ils le faisaient, je pense que Bielsa, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Je pense que c'était vraiment... Bielsa, il avait ses idées et tout le monde devait le suivre. Voilà, il y avait personne qui devait dire non, mais c'est pas bon. Non, c'était Bielsa, il fait ça, tout le monde fait ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, ce que j'ai ressenti. Après, je peux pas t'affirmer que c'était vrai ou faux. Mais moi, ouais, t'étais pas avec eux dans le bureau pour constater s'il y avait de l'influence dans ce que demandait. Ouais. Voilà, et je sais que par exemple, dans l'équipe, pas tous les joueurs allaient dans son bureau. Des fois, pour aller dans son bureau, il fallait passer par le traducteur ou par Jan Van Wickel pour demander si on pouvait aller. Et je crois qu'il n'y avait que Steve et quelques cadres qui avaient, entre guillemets, accès à son bureau pour parler avec lui de temps en temps quand vraiment il fallait parler. Mais sinon, c'était très rare de voir des joueurs aller taper à la porte. Ouais, bonjour, monsieur Bielsa, j'aimerais parler de ça. Non, ça se faisait pas, ça.
On a notre ami Thomas Bonavent qui va nous quitter, qui doit vaquer à ses occupations. Thomas, je te remercie, franchement, même de la part de 13, ben, merci beaucoup, hein. D'avoir passé ce moment avec nous. Ben, merci à tous, ouais. Merci à Nordine, merci à toi Stéphane, c'était vraiment... J'ai appris des choses, pourtant je pensais la saison de Bielsa, même avant, je pensais l'avoir pensé, mais finalement, voilà, on apprend quand même des choses, donc merci à tous, et puis au plaisir, hein, n'hésitez surtout ben, pas, on va continuer à bosser sur ce mercato. Hein. On a plein de choses avec Pablo. On se retrouve vite, Thomas. On se retrouve vite. Et continue ce que vous faites au Winamax, accompagné de notre ami Sofiane, Waïda Cherchour. Sur le Winamax FC, vous nous faites kiffer. Merci beaucoup. Ne lâchez rien, les potos. Et je te souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, Thomas. Merci à bonne toi. Soirée, salut, les amis. Salut. Voilà, donc Thomas qui nous quitte sur le live, mais vous êtes là, vous restez avec nous et c'est un plaisir. Je reçois les questions. Il y en a énormément de questions. Donc Sony et le commandante, il est chaud, notre ami Sony. Les gars, vous le connaissez. Nordine, oui. C'est important de préciser que vas-y. Sony et le commandante, c'est un grand ennemi. Un grand ennemi du bielsisme. C'est important de le préciser. C'est vrai que Sony, lui, il aime pas Bielsa. Il y en a. Hein. Ah, il y en a, mais c'est vrai, après, nous, tu sais quoi, qui est mon Bielsa, on n'est pas dans l'excès inverse, hein, on reconnaît lorsqu'il fait des erreurs, et voilà. Même toi qui l'as vécu du groupe, tu vois, c'est ce que j'aime bien sur ce space notamment, et sur l'interview qu'on fait avec toi, c'est que c'est nuancé, on n'est pas là à dire Bielsa est le meilleur, Bielsa est le moins bon, c'est une personnalité complexe. Hein. Ah oui, tout n'est pas parfait, hein. Bien sûr. Donc, on va continuer. Du coup, à part si Amaïs et Azir ont des questions, mais on va continuer. On peut parler de Bielsa, on peut revenir, on peut repartir. Justement, tu parlais de Michel. Et qu'est-ce qui a changé tactiquement? Là, tu as parlé de l'approche qu'a eu Michel avec vous. Tu as senti qu'il y avait une différence entre les jeunes et les moins jeunes, ou les expérimentés et moins expérimentés. Mais qu'est-ce qui a changé sur le plan tactique entre ce que voulait mettre en place Bielsa, soit aux entraînements ou au match, et Michel, l'entraîneur espagnol? Bah déjà, on a perdu pas mal de joueurs au mercato. Il y a, je sais pas combien de joueurs qui sont partis. Donc voilà, l'effectif, c'était plus du tout le même. Je pense qu'on n'a pas recruté à la même valeur que les joueurs qu'on a pu perdre, tu vois. L'équipe n'était pas aussi performante en termes de qualité. Alors, je ne dis pas qu'il y avait des mauvais joueurs, il y avait de très bons joueurs. Mais je pense que par rapport à l'équipe et la cohésion d'équipe qu'on pouvait avoir la saison précédente, ça n'avait rien à voir. Et après, voilà, bien, ça reste la perfection, ça reste les détails, ça reste... voilà, la méthode Bielsa, ce n'est pas la méthode Michel. Michel, ça reste un entraîneur comme tout le monde, on va dire, tu vois, de monsieur tout le monde. Et voilà, le travail effectué, il n'était pas aussi perfectionniste que celui effectué par Bielsa, du coup... C'était dans l'intensité des entraînements, parce que voilà, l'intensité, ça n'avait rien à voir. L'intensité, c'était beaucoup plus soft avec Michel. Après, je ne critique pas sa méthode, parce que... Non, oui, c'est un avis que tu donnes, bien sûr. C'est sûr que par rapport à Bielsa, c'est incomparable, tu ne peux pas comparer. Parce que Bielsa, c'est vrai qu'il était plus adepte des répétitions lors des exercices, t'en as parlé longuement. Et lui, tu étais prêt, tu savais à quoi t'attendre et tout. Michel, c'était plus les méthodes d'entraînement, voilà, les conservations de balles, la méthode à l'espagnol, tu vois, le jeu, etc. Mais c'était moins tactique, et du coup, sur le terrain, ça s'est ressenti. Ok, ouais, c'était... Voilà. Nordine, là, du coup, on part de l'endroit où je suis. Vas-y. Que je te reprenne comme tout à l'heure. T'es où, du coup tu... Ah, vous repartez avec vos collègues? Ouais, on repart à l'hôtel, en fait. Ça va, et prépare-toi, parce que bientôt, il y aura l'instant vérité. Et là, tu ne peux pas me feinter, tu auras un joker pour esquiver une ou deux questions. Mais l'instant vérité va arriver, donc reste avec nous pour découvrir en profondeur notre ami Stéphane Sparagna. Je te mets en mute et je te reprends dès que possible. Il n'y a aucun problème. Donc, Azir. À de suite. À de suite, Stéphane. Azir, Amaïs, un régal. Hein. Je passe une très belle soirée. Ouais. Non, c'est très intéressant. Il détaille vraiment... l'aspect management, mais aussi l'aspect tactique de Bielsa, c'est intéressant d'avoir cet avis. Encore plus pour quelqu'un comme moi qui adore Bielsa, de la part d'un joueur qui, visiblement, a kiffé ses méthodes. En tout cas, ça se sent dans la manière dont il le décrit. Ça se voit que c'était un tournant dans sa carrière. Vas-y. Pardon, juste en plus, c'est top, comme tu disais tout à l'heure, Nordine, c'est nuancé. On n'est pas dans le... Même si perso, comme Amaïs, comme toi aussi, Nordine, hein, j'apprécie le personnage de Bielsa, j'apprécie sa carrière, j'apprécie ce qu'il propose en termes de jeu, en termes de contenu à ses équipes, ce qu'il arrive à imprégner. Mais on n'est pas dans le fanatisme.
Donc c'est important d'avoir le témoignage d'un joueur qui a été présent à ses côtés, qui a été lancé par Bielsa dans le monde professionnel et qui nous apporte certaines nuances, notamment dans la gestion humaine, dans le management, même sur le plan technico-tactique, sur la méthodologie de travail, où peut-être que sur certains points, il aurait dû peut-être faire autrement. En tout cas, il amorce une réflexion. Et ça, c'est super intéressant. C'est vrai, et en plus, c'est sur ça que je voulais rebondir, les gars. T'as vous qui êtes férus de ballon, hein. Si vous êtes là, c'est que vous matez, que ce soit les matchs, les interviews, c'est que vous lisez même la presse étrangère, vous essayez vraiment de vous renseigner. Et on a peu, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais qu'il y en a peu et trop peu à mon goût, d'interviews ou de live comme ça, ou avec des joueurs qui parlent précisément de jeu, de tactique, de ce qui se passe à l'entraînement au niveau purement technique. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, qu'il n'y a pas vraiment des joueurs qui... On va dire qu'ils s'intéressent à cela ou on ne leur pose pas les bonnes questions, je ne sais pas. Pour vous, c'est quoi votre avis sur ça? Parce que là, avec Stéphane, justement, c'est tout l'inverse. On se régale, il parle de jeu, il est comme un joueur de foot passionné, tout simplement. C'est un peu des deux, en vrai. J'ai envie de te dire, quand tu vois les conférences de presse, que tu entends certaines questions, tu sens que ce n'est pas forcément l'aspect tactique qui va intéresser ceux qui posent des questions. Mais en revanche... Parallèlement, quand il y a des contenus très tactiques qui sont proposés, je suis pas sûr que ce soit ceux qui fassent le plus de clics, par exemple, au niveau des sites internet. Si tu vois, par exemple, comparé à une déclaration choc, genre, je sais pas moi, Pogba, je me suis curé le nez ou je sais pas quoi. Donc, c'est nuancé. Mais c'est vrai que c'est très, très intéressant d'avoir cet avis intérieur. Même, tu vois, de la vie de vestiaire et tout, ça aide à comprendre certaines choses et à relativiser. Voilà, et ne pas avoir des discours préconçus pour rien. Après, ouais, tout le monde dans ces questions-là, moi aussi, chaque fois, je me dis, est-ce que c'est la faute, entre guillemets, des médias? Est-ce que c'est la faute un peu du public? Et je crois que... C'est nuancé. C'est Amaïs. Je crois que ça... Une fois, on en avait parlé dans Passe ton ballon, et je crois qu'Amaïs ou Mathieu, ou peut-être vous deux, et moi, j'avais une position un peu... Peut-être un peu trop arrêté ou un peu trop extrême à ce niveau-là. Et vous m'aviez dit justement que c'est nuancé et que c'est tout le monde a un peu sa part de responsabilité, entre guillemets, parce que les médias, parce qu'on va dire, ouais, mais le public ne veut pas tel contenu. Ouais, mais les médias, de manière générale, les journalistes doivent participer à l'éducation football du public. Et donc, participer à introduire certains sujets pour petit à petit amener le public vers. À s'intéresser à certaines choses. Et en même temps, le public aussi doit faire l'effort d'avoir un peu plus de réflexion dans sa manière de consommer le football. Mais voilà, c'est complémentarité. Voilà, chacun doit se tirer vers le haut. Après, il y a aussi un autre élément, je pense. Pas tous les joueurs professionnels, même s'ils ont une certaine carrière, etc., sont capables de parler, de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont appris, en fait. Tu vois, c'est aussi, c'est compliqué. Non, c'est vrai qu'au-delà de la compétence, il y a la qualité, la capacité de pouvoir parler, tout simplement, de entre guillemets, grossièrement, de football. Tu vois, t'as des personnes qui sont ultra compétentes, mais qui ne seront pas bonnes pour faire des conférences, comme peut le faire notamment Marcelo Bielsa, ou comme faisait un moment Christian Gourcuff, etc. Tu vois, c'est vrai que des gars comme, par exemple, comme Reynald Denouex, lorsque tu les entends parler de football ou commenter une situation, je sens qu'il y a l'analyse, qu'il y a le recul nécessaire pour juger une action, et c'est justement vers ce dans quoi j'aimerais qu'on tente plus, mais c'est vrai que ça se fait moins. Après, ce que tu as dit, Azir, notamment sur les journalistes, ou les questions posées globalement, le but c'est pas de taper sur les journalistes ou les joueurs, on s'en fout, on parle de ce qui se passe, mais c'est vrai que lors des conférences de presse, ou des grands moments, je parle, des grands moments où l'entraîneur parle, mais j'ai l'impression qu'on est plus arrêté sur la forme que sur le fond, et au final, on aime, comme a dit Amaïs, chercher un petit peu la petite phrase. Par exemple, Bielsa, lors de ses interviews, lors de ses conférences de presse, pardon, c'était un peu comme ce que faisait Sampaoli au niveau de la précision technique et tactique qu'il apportait à son équipe et des autres équipes. Moi, je crois que tu as Bielsa qui parle de Nantes et qui dit sur la deuxième partie de terrain, c'est l'équipe qui a le plus de possession parce qu'il aime bien attaquer dans la largeur, et il explique le système offensif de Nantes dans les derniers mètres. Mais il explique ça, il prend 5-6 minutes pour l'expliquer, mais moi je me dis bravo, magnifique. Mais au final, lorsqu'on voit les réactions en face et la manière dont cela rebondit, ben voilà, on a plus passé son temps, là j'ai abusé un peu, à parler du côté de qui regarde pas les journalistes dans les yeux, qu'à prendre
en forme, pardon, le fond de ses propos, tu vois. Et c'est ça qui m'a déçu, notamment sur le passage de Marcelo Bielsa en France, où, voilà, avec Sampaoli, on va dire que ça passe, on va dire. Il y a un autre élément aussi. Là, on parle des conférences de presse, peut-être de l'incapacité ou peut-être le manque de volonté, je ne sais pas, de la part de certains journalistes, ce n'est pas le cas de tous, évidemment, de rebondir sur des questions très, très football, très axées sur le jeu de la part de certains entraîneurs. Mais après, il faut se dire aussi que pas tous les journalistes, et c'est pas leur faire offense de dire ça. En la capacité. En la capacité, en fait. Parce que des fois, il y a des trucs qu'il faut avoir un vécu sur le terrain. Quand je dis un vécu sur le terrain, c'est pas forcément au niveau professionnel. Hein, mais avoir, quand dans sa vie de tous les jours, peut-être avoir eu l'occasion soit d'observer des matchs dans le football amateur, soit avoir eu l'occasion de prendre en main des équipes, même des équipes en U8, U9, U10, U11, etc. Mais il y a certaines compétences que pas tous les journalistes ont, et c'est pas, y a pas de mal, quoi. Il faut aussi le comprendre, pas se dire que quand on est un journaliste de sport, et notamment axé sur le foot, on n'a pas forcément les compétences d'un entraîneur de haut niveau. Donc, bien sûr, pas bien toujours sûr. Avoir oui, la capacité de répondre, même si il faut être, c'est la démarche hein, cette qu'on recherche, avoir voilà, amorcer une réflexion pour essayer de comprendre et donner des outils au public pour qu'ils puissent comprendre eux aussi. On remercie tous ceux qui nous suivent sur le Space. Franchement, j'ai l'habitude de dire live, donc sur le Space 013. Franchement, un plaisir de vous avoir. Je vous remercie énormément parce que depuis tout à l'heure, je vois au niveau des arrivées, des départs, ça vient, ça rentre, ça sort. C'est un vrai salon où on échange avec Stéphane Sparagnac qui est avec nous, qui reviendra. Il est en déplacement en fait avec le club avec lequel il s'entraîne. Donc du coup, voilà, ils sont partis manger un bout. Je crois qu'ils vont revenir. Et donc du coup, sur la route, il nous a mis en mute et il va reprendre la conversation. C'est vraiment un plaisir de l'avoir. On a un commentaire de elloco@tontonbielsa qui nous dit tout simplement: quel plaisir d'écouter @Gianluigi, donc l'invité Stéphane Sparagna, parler du génie Bielsa, #space013. Donc voilà, beaucoup de commentaires et notamment de personnes qui veulent intervenir. On va faire monter, il y a Axel qui est avec nous, il y a Idriss Kasmi justement dans l'équipe de Merci parce qu'il va me casse la tête dans les messages là. Merci de faire monter qui va, moi je reçois rien pour l'instant, j'ai rien vu. Donc d'abord on va donner la parole à Axel, le funambule de Twitter. Axel, comment tu vas? Ça va les gars, vous allez bien? Ça va, et toi Axel? Ça va. Il y avait j'écoute depuis tout à l'heure, il y avait un truc qui était intéressant, que j'aimais bien, c'est que je me rappelle un peu des interviews d'Alessandrini là, après la saison, où on a dit il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus, l'équipe elle tournait pas trop. Et c'est vrai qu'on a souvent cette image de dire les mecs qui jouent pas, ils dénigrent un peu au final. Et finalement, Stéphane Sparagna, il n'a pas tant joué que ça. Et lui, il en garde un bon souvenir. Donc, comme quoi, il y avait d'autres choses derrière que de dire mais les mecs, il ne les fait pas jouer, lui, Barada. Et au final, ils lui en veulent. Vous avez à répondre quoi, les gars? Après, il est Sparagna et Alessandrini n'ont pas le même statut aussi, tu vois. C'est pour ça aussi peut-être que ça a joué sur la capacité à prendre le. Bien sûr. Alessandrini, quand il vient de Rennes, c'est un pur Marseille qui est passé par le centre de formation aussi de loin. Rapproche-toi du téléphone, Azir, s'il te plaît, je te coupe, mais voilà, pardon, je préfère qu'on t'entende bien. Tu m'entends mieux là? Très bien, parfait. Oui, justement, Alessandrini et Sparagna n'avaient pas le même statut. Sparagna est débutant en pro, puis Bielsa l'a lancé dans le groupe professionnel. Donc forcément, je pense qu'il y a une relation qui est différente avec le coach. Alors qu'Alessandrini, peut-être qu'il voit plus Bielsa comme le mec qui l'a coupé un peu dans son ascension. Je ne connais pas personnellement Alessandrini, mais c'est, on va dire, l'hypothèse que j'ai par rapport aux commentaires qui ont suivi l'après Bielsa de la part de l'un et l'autre. Et toi, Axel, justement, qui suis l'OM au quotidien depuis toujours, on te voit sous le ton de la vanne et tu me régales sur tes tweets. tu fais vraiment bordel. Le meilleur de la team OM, il n'y a pas de discussion possible. Axel, dis-nous ce que tu fais de ta vie déjà, ton travail, ce que tu fais de ta vie, ta passion pour l'OM. Voilà, rapidement, on te connaît de Twitter, mais j'aime bien, tu vois, c'est la première fois que je t'entends déjà et que j'échange avec toi. Déjà, c'est un plaisir de t'avoir sur ce space. Donc voilà, dis-nous ce que tu fais de ta vie et qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses de l'OM et ton suivi de l'OM. Non, c'est gentil. Je suis dans la vente, on va dire, dans le commerce. Voilà. Ok. Et voilà. Et après, pour on va dire, rester dans le foot,
et rester dans l'OM. C'est vrai que moi, j'ai l'impression, peut-être contrairement à d'autres personnes ici, on va dire que j'ai apprécié Bielsa après, mais j'avais ce truc un peu, vous parliez du match de Lorient à l'époque, j'étais pas trop supporter pour apprécier, mais c'est vrai que moi, j'avais du mal avec ce truc de te retrouver à 8 attaquants dans un match, de te prendre des contres de tous les côtés. Des fois, tu as presque envie que ce soit un peu plus pragmatique et de gagner des matchs, même si c'est un peu moins spectaculaire. Après, maintenant, oui, quand tu revois des matchs, quand tu revois des résumés, tu te dis, bon, par rapport à ce qu'on a connu ensuite, on se régalait. Mais quand tu as connu des titres, que tu as envie de gagner des matchs, je comprends, comme vous disiez, les gens qui étaient moins fans et qui voyaient que la gagne aussi. Je vois ce que tu veux dire. Et de toute façon, on a souvent tendance à dissocier les deux, ce qui est malheureux entre le beau jeu et la gagne. C'est souvent le problème. Alors, moi, je suis de retour. Moi, t'es de retour, bon. Ben parfait. Attends, j'ai un message. Moi, je dis tout. Hein, je dis tout. Moi, j'ai un message de Amaïs qui dit, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir parler d'équipe de France rapidement avec Sparania? Je peux rester 15 minutes. Après, je dois partir. Amaïs, tu vas gérer le programme ce soir. C'est toi le patron. Il y a pas de problème, Amaïs, je vais devoir ton texto. Idriss Kasmi, qui va intervenir aussi, notre ami Idriss Kasmi de Passe ton ballon, l'éternel commentateur de Chronos, qui nous fait un kiff, un plaisir d'être avec nous. Je crois qu'il est en vacances à Malte, il se régale, il met des beaux paysages en story. Idriss, ça va, tu kiffes tes vacances? Ça va, je me régale. Vu que je suis un garçon sage, alors que tous mes amis sont en boîte, je suis rentré à l'hôtel pour dormir. Ah, c'est beau, 23h03 à l'hôtel en train d'écouter le Space 013. T'es sûr que t'es à l'hôtel? Ah non, je suis à l'hôtel, je suis à la maison si tu veux. Je peux même te snapper, demander à Maya si je lui ai envoyé la photo de ce que je suis en train de faire. Ouais, je crois que tu préfères pas voir justement. Mais du coup, c'est bizarre ce truc. Je rentre à l'hôtel et vu que j'avais mis un petit quart d'heure de marche, je me suis mis le Space pour écouter un peu. Et je suis arrivé avant que Stéphane s'en aille, mais j'écoutais attentivement et très religieusement ce que vous dites. Je tiens d'ailleurs à dire qu'il y a un épisode de Passe ton ballon, je crois que c'est dans les premiers, où on parlait un peu de la saison Bielsa et de, en gros, le football et toutes ces émotions que je vous invite à réécouter. Donc, j'aime bien, il vient, il fait la promo, t'as tout compris. Franchement, t'es un bon. Toi aussi, t'es comme Axel. C'est comme Axel, c'est un commercial. T'es un commercial en vrai. Je peux même faire ma double promo parce qu'il y a même un épisode avec Axel. T'as posé des questions sur Axel, on a un épisode avec Axel. Il est venu faire un épisode avec nous où on parle de l'importance de Twitter dans notre consommation du football. Voilà. Et en tout cas, c'est vrai que sur passe ton ballon, on se régale justement avec Mathieu Morissella qui est avec nous, donc Idriss Kasmi, Amaïs, Azir, on a la bande pratiquement la bande au complet. Il participe pas aux émissions, mais il fait partie de la bande. Il s'occupe, il a une importance importante dans la bande de l'émission. C'est avec 13, mais merci, je le remercie personnellement, je le remercie en off de nous faire la diffusion de ce live sur sa page, et si ça vous plaît, on en fera plusieurs avec d'autres invités, on abordera plein de thèmes. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir notamment Stéphane Sparania. Donc Idriss, je te laisse nous écouter, et voilà, un plaisir d'être avec toi, Axel aussi, un plaisir les gars, ainsi que tous ceux qui nous suivent, les auditeurs, et à Nas Putain, qu'on connaît bien aussi de Twitter, et Vincenzo, voilà, ils sont de nombreux à être présents. Il est quand même 23h05 passé, on avait dit à Sparania et à nos followers qu'on allait être là jusqu'à 23h, mais bon, tu connais, on est à Marseille, on décale un peu, voilà. Ouais, c'est jamais précis. Je vous remercie les gars. On va continuer, on va parler justement de l'équipe de France jeune. Ah Maïs, c'est bon, c'est ta page parce que tu as fait quand même des sélections en équipe de France, U20, U21, avec notamment Ludovic Batelli en sélectionneur, Pierre Mankowski. Donc voilà, le kiff, j'imagine, non, d'être sélectionné. Tu as cru à l'annonce, comment ça s'est déroulé? Stéphane, es-tu avec nous? Ah, pardon, j'étais en train de regarder les commentaires, Il n'y a pas de souci, je te demandais le kiff que ça te faisait d'être sélectionné en équipe de France. Est-ce que tu y as cru? Comment ça s'est déroulé et... L'équipe de France jeune. Ouais. Non, mais j'étais pas prêt surtout. C'est que moi, je ne m'y attendais pas. Moi, je n'ai jamais fait les sélections de jeunes. Et là, j'avais pas beaucoup joué en pro. J'avais fait la préparation, j'avais fait Bastia et après quelques bancs et tout, quelques entrées. Mais dans ma tête, jamais je me suis dit que ça allait être suffisant pour être sélectionné. Et lors de la trêve internationale, donc j'apprends que je suis présélectionné juste avant et sélectionné, donc ça a été très rapide. Et donc je suis un peu arrivé sur la pointe des pieds en équipe de France.
Et voilà, après, vu que moi, je suis quelqu'un de très sociable et tout, je me suis vite intégré. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est du coup Bielsa. Hein, tu arrives en équipe de France, tu as Bielsa comme entraîneur. Mmh. De suite, les sujets de conversation, ils tournent autour de Bielsa. Donc, l'intégration, elle a été très facile. Et puis voilà, premier rassemblement, deuxième rassemblement, troisième, le tour de Toulon, etc. Ça, après, ça... Ça a déroulé, on va dire. Normalement, ouais. Ça a déroulé. Justement, voilà. ce tournoi de Toulon, notre ami Amaïs et monsieur, ben, s'il est toujours là, oui, Mathieu Maurice est là, qui pourra prendre la parole aussi, parce que Mathieu Maurice est là, qui est l'organisateur, le pionnier de ce tournoi de Toulon, et Amaïs, les yeux, le scout, qui connaît ce tournoi, il est comme Azir, il connaît mieux ce tournoi que je connais ma famille. Donc Amaïs, si tu as des questions, let's go, c'est parti, c'est ton moment. Non, déjà, je vais faire un peu de promo. Vas-y. Allez suivre le compte Twitter du tournoi Toulon, qui ne s'appelle plus le tournoi Toulon, mais le tournoi Maurice Revello. C'est ça. Ben, en honneur du fondateur qui est décédé il y a quelques années. Donc, c'est tournoi M Revello. Donc, voilà pour la promo. Non, le tournoi, il me semble que pour Stéphane, ça a été très important. Déjà, tu gagnes un trophée international avec l'équipe de France, qui n'est pas rien. Et ouais. Surtout, tu as marqué 2 buts dans cette compétition, ce qui est rare, c'est aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ben raconte-nous un peu. Justement, quand tu nous avais donné une interview pour le site officiel du tournoi Maurice Revello, tu avais dit que c'était 2 semaines de folie. Raconte-nous un peu comment c'était passé. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait notamment dans cette équipe, il y avait Presnel Kimpembe avec qui tu faisais la charnière, il y avait Thomas Lemar, Baptiste Santamaria, etc. Crivelli, ouais, c'est ça, Crivelli, ouais. Non, mais c'est comme je te dis, vraiment de folie. Ouais. En fait, je crois qu'on était l'une des équipes les plus jeunes en plus du tournoi, parce que je me rappelle qu'on avait joué les USA, qu'il y avait pratiquement que des 93, des 92. Même le Maroc, en finale, c'était que des vieux. Enfin, des vieux. Voilà, nous, il n'y avait que des 95, 96, 2, 94. C'était l'équipe la plus jeune. Et on est arrivé. On était comme une équipe de collègues, en fait. Il n'y avait pas... C'était pas... Je ne me sentais pas comme vraiment en équipe de France, avec la pression, le sérieux qu'il faut et tout. Alors oui, tu représentes ton pays, donc tout est sérieux, tout est cadré. Mais vraiment, au niveau de l'ambiance, au niveau des entraînements, au niveau des matchs, vraiment, on était comme des collègues avec une très bonne entente. Et ça s'est vu sur les matchs. Je crois qu'on a fait que des victoires avec 1 ou 2 nuls. Mmh. Et on n'a pas perdu un match. Vraiment, ce tournoi, on a déroulé. On a été rarement mis en difficulté. À part peut-être contre le Costa Rica, où c'était une équipe un peu difficile à jouer, et le Maroc, où c'est qu'on est mal rentré dans la finale. Mais sinon, ce tournoi, on a vraiment déroulé, on a mis des scores à tout le monde. Et vraiment, j'ai que des très bons souvenirs de ces 2 semaines passées à Toulon. Au niveau sportif, j'avais cité donc les futurs internationaux de l'équipe de France. Tu formais la charnière avec Kimpembe, qui est devenu champion du monde ensuite. Comment tu jugeais déjà ta cohabitation sur le terrain avec lui, de une, et surtout, est-ce que tu le voyais déjà aller aussi loin? Parce qu'il me semble qu'il n'avait même pas joué une minute en pro quand il fait le tournoi. Non, quand il arrive, un peu comme moi, hein, on était des jeunes pros, entre guillemets, on venait d'arriver dans le groupe pro. Donc, c'est vrai que quand même, dans l'équipe entière, il y avait Thomas Lemar qui avait plus joué avec Caen, Crivelli qui avait fait quelques entrées, il y avait Cabouni aussi qui avait fait quelques entrées en pro, Santamaria qui jouait à Tours, il me semble, à l'époque. C'est ça, exactement. Donc, il n'y avait pas vraiment de joueurs confirmés, vraiment, à part Thomas Lemar qui avait bien joué avec Caen, il n'y avait pas de joueurs confirmés, entre guillemets. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui se disait ouais, Thomas Lemar ou presque un Kimpembe ou Crivelli ou Santamaria qui allait faire ces carrières-là. On n'y pensait pas, ça. Lequel d'entre eux t'impressionnait le plus, justement, de cette sélection? Moi, honnêtement, de l'équipe, celui qui m'a le plus impressionné, c'était Fares Balogui. Mm. Pourtant, c'est le plus gros flop, malheureusement, hein, parce qu'il a des qualités hors normes, ce joueur. Mm. Il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire, mais moi, le joueur qui m'impressionnait déjà en équipe de jeunes quand il était à Lyon, mais aussi au tournoi de Toulon, c'était Fares Balogui. Techniquement, c'était la classe à l'état pur. Hein. Et pourtant, c'est pas celui qui a fait la plus grosse carrière dans cette équipe. Justement, comment tu parles, comment tu expliques, pardon, plutôt les différences de carrière? Là, on a la chance de parler avec toi ce soir, donc du coup, je peux te le dire
pas en face, mais de téléphone à téléphone. Mais je me rappelle très bien de ce tournoi en 2015, vu que je travaille pour le tournoi. Donc, du coup, je me souviens de tous les matchs. Franchement, ouais, tu fais un super tournoi du même niveau que Kimpembe, qu'on a mis deuxième meilleur joueur du tournoi. Et au final, il y en a un qui est devenu champion du monde. Et toi, non. Je dis pas ça pour te vexer, mais finalement, qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et lui pour passer à l'échelon supérieur? Après, le foot, il faut savoir qu'il y a les qualités techniques et physiques qui rentrent en compte, mais pas que. Tu as le facteur chance, tu as le facteur entraîneur, tu as le facteur équipe, tu as beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et quand tu compares Kimpembe et moi, comme je t'ai dit, avec Bielsa, j'étais en pleine confiance. Je ne pouvais pas mieux faire. Voilà, j'étais en progression totale. Et quand Bielsa y part, c'est vrai que ça m'a coupé l'arbre sous le pied. Et Presnel, l'avantage entre guillemets qu'il a eu, c'est qu'au PSG, il y avait plus de stabilité au sein du club, je pense. Quand tu t'entraînes avec des Ibrahimovic pendant 2, 3 saisons, 4 saisons, du Thiago Silva à côté de toi, ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et la progression, elle n'est pas la même pour les jeunes joueurs. Tu mets n'importe quel joueur au PSG, je ne pense pas qu'il fasse un mauvais match quand tu es entouré de ces joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'es mis dans les bonnes conditions, c'est sûr que... Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Après, je ne dis pas que si j'avais été au PSG, j'aurais été champion du monde, t'es champion d'Europe, mais attention. Mais bon, après, il a eu son mérite, il a bossé pour, il a fait ses preuves, on n'a rien à lui enlever. Hein. Mais voilà, moi, Bielsa, il est parti, et après, derrière, ça a été un peu plus compliqué pour moi, personnellement. Mais c'est vrai qu'on parle, voilà, parle il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. On parle justement du fameux contexte, parce que tu as des joueurs, notamment, on va prendre l'exemple de Laurent Bergel, qui a été prêté, voilà, après son... Justement, lui, c'est l'année de Bielsa, je crois qu'il part à Ajaccio. Voilà, il part à Ajaccio, il fait une saison en prêt, il revient, je crois qu'il est transféré définitivement, il fait une ou deux saisons là-bas, ensuite il joue de plus en plus en Ligue 2, ensuite juste après ça il est transféré à Lorient, à Nancy, il s'impose un peu plus aussi, et il finit à Lorient, l'équipe avec laquelle il joue tout le temps titulaire, il joue le plus de matchs, il fait la paire de 6 notamment avec Fabien Lemoine, et avec Lorient il monte en Ligue 1, il arrive à faire une saison où il se maintient la dernière journée, mais il joue des matchs notamment contre le PSG, il kiffe sa carrière tout simplement professionnelle de joueur de Ligue 1, et c'est un joueur qui a tout donné qui a tout donné pour justement être arrivé à ce niveau-là, et justement le contexte aussi lui a été parfois favorable. J'ai l'impression que lorsqu'on est, on va dire, un joueur, on va dire qu'il y a des joueurs comme Messi, il y a Ronaldo, il y a des très bons joueurs, et en dessous il y a que des bons joueurs, mais qu'ils essayent de plus en plus de faire sa place. Quand on fait partie de ces joueurs-là, j'ai l'impression que c'est le contexte, ça se joue, on va dire, à des détails près. Ça se joue à rien, hein. Ça se joue être au bon endroit au bon moment. Voilà, y a le facteur chance, pas de blessure, avoir le bon entraîneur au bon moment qui va te propulser là où il faut, l'équipe qui tourne bien. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans le football. Parce que tu as des joueurs de qualité, des fois, ce n'est pas les meilleurs qui percent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, des exemples, à l'OM, tu en as des tonnes, de la génération 94, 93, 92, 95. Des pépites, j'en ai vu passer en centre de formation, des pépites à qui on promettait la carrière à Zidane. Et à la sortie, ce n'est pas eux que tu vois en haut et c'est d'autres. Bien sûr. Donc voilà, c'est difficile de dire qu'un joueur à 14-15 ans, ça va être le futur Messi ou le futur Ronaldo. C'est impossible, impossible. Azir, est-ce que tu as une question, notamment sur l'équipe de France jeune ou autre, ou un sujet qu'on vient d'aborder? Ouais, j'ai une question, et c'est posé également, c'est la même question que Aniki sur Twitter. Là, oui, je l'ai cherché. @omi_scry. Vas-y. Il m'a posé la question à Stéphane Sparagna, comment se passait l'aspect tactique en équipe de France de jeunes, et justement sur cette période... le tournoi Maurice Rivello. Comment ça se passait à ce niveau-là, au niveau des entraînements? Est-ce qu'il y avait une préparation particulière? Parce que je ne sais pas comment en club. Hein. Donc, comment ça se passait pour mettre en place le jeu que vous avez développé lors de cette édition et qui vous a permis de remporter le tournoi? Quand on arrive, après, les sélectionneurs, ils ont leur système de jeu à eux. Il ne se base pas trop sur ce qu'on fait en club parce que c'est impossible. C'était qui avec vous là, à ce moment-là? C'était Ludovic Batelli? C'était qui? Non, c'était on qui avait Smeriki. Ah, c'est Smeriki. Francis Smeriki. Francis Smeriki, c'était son dernier tournoi de Toulon, il l'a fait avec nous et on l'avait remporté. Okay. Et après, je crois qu'il était parti chez les féminines ou quelque chose comme ça. Mm.
Non, après, il me semble qu'on joue en 4-3-3 avec Smeriki, 4-3-3 ou 4-4-2, je ne sais plus exactement. Mais un système assez, assez banal, hein, parce qu'en une semaine, voire une semaine et demie ou deux semaines de sélection, tu n'as pas le temps de revoir un système, de tout revoir. Donc, c'était vraiment un système banal. Les entraînements, c'était assez soft. C'était vraiment de l'entretien et un peu de tactique, etc. Mais après, avec la qualité des joueurs que tu as, c'est beaucoup plus simple de mettre en place un système. Et en termes de compréhension tactique et tout, c'est beaucoup plus simple parce que tu as, entre guillemets, tu as les meilleurs de la génération, normalement, en équipe de France. Donc, c'est pas très compliqué. Mais est-ce que, justement, c'est chose simple, hein. Voilà, tu dis que ça, ce sont des choses simples. Est-ce que tu sentais qu'il y avait une consigne commune, notamment de la DTN, transmise à votre équipe lors de ce tournoi ou lors de tes sélections de jeunes, parce que c'est quand même le vivier, c'est là où justement on forme les joueurs à un certain schéma de jeu, comme on a pu parler sur le centre de formation de l'OM dans la première partie. Donc là, voilà, est-ce que tu as des directives communes aux équipes de jeunes? Est-ce que tu les as comprises? Est-ce qu'on insiste tactiquement, que ce soit au tournoi Maurice Revello ou dans les autres sélections que tu as pu faire avec l'équipe nationale? Non, franchement, au tournoi de Toulon, vraiment, et durant les rassemblements, j'en ai pas eu vraiment de directive de la DTN ou de pression un peu par rapport à ce que demande. C'est même pas une pression au niveau du résultat, mais je te parle au niveau de jeu. Non, même niveau tactique. Mmh. Non, franchement, c'était le sélectionneur qui faisait son équipe, il choisissait les joueurs qu'il voulait, il faisait la meilleure équipe possible pour préparer les échéances à venir. Et voilà, il mettait en place son système de jeu. Alors, à l'époque, je sais plus s'il se basait sur le système de l'équipe de France A ou pas. Mmh. Ça, je sais plus. Mais je sais que voilà, il mettait son système en place. Les entraînements, c'était assez light parce que voilà, c'est par rapport au contexte. Voilà, par rapport au contexte et tout, c'est de l'entretien et surtout de la préparation de match. Et voilà, la seule fois où j'ai vu vraiment je crois que c'était Noël Le Graët à l'époque, c'était quand j'ai eu la première sélection, enfin la sélection avec l'équipe de France Espoir. Mm. Mais sinon, non, en U21, on n'a pas eu d'informations de la DTN ou même en termes de résultats au tournoi de Toulon ou en termes tactiques ou autre, il n'y a pas eu tout ça. Maintenant, je vais te demander ton avis à toi sur ce qui se passe notamment chez l'équipe de France Espoir. On sent qu'il y a un potentiel, un vivier de joueurs très impressionnant, mais que ça ne se transcrit pas forcément sur une domination tactique, technique sur le terrain. Toi, en tant que supporter, quel a été ton sentiment sur l'Euro Espoir qui vient de se dérouler et ce que met en place Sylvain Ripoll avec la sélection de joueurs qu'il a? Ton avis? Honnêtement, je ne l'ai pas suivi l'Euro. D'accord. J'ai suivi les résultats de l'équipe de France. Donc, j'ai vu qu'ils ont été éliminés en demi, me semble. Demi ou quart. Hop là. C'est en quart, les gars, c'est ça? J'ai un trou. C'est en quart, non? Ouais, c'est en quart. C'est ça. Face aux Pays-Bas, si je me rappelle bien. Voilà. Alors, bah, après, les Pays-Bas, ça reste quand même une grosse nation. Bien sûr. Mais bon, quand tu as la qualité de l'équipe de France Espoir, là, la génération qui arrive, pour moi, l'Euro, tu dois le gagner. Alors après, le foot, ça se joue sur un match, c'est 90 minutes, tout peut se passer. Mais avec la qualité technique et même physique que tu as dans cette équipe Espoir, j'ai l'impression qu'il y a 11 bons joueurs, mais qu'il n'y a pas une équipe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien, très bien. Tu as 11 bons joueurs, mais il n'y a pas cette osmose, tu sais. Comme tu peux avoir chez les jeunes du Portugal. Voilà, je l'ai un peu plus suivi... cette génération, et déjà c'est une équipe un peu plus solidaire, tu vois, plus une équipe d'amis, de collègues. J'ai vu un reportage sur eux quand j'étais au Portugal, tu les vois dans le vestiaire. Après, je connais pas l'équipe de France, donc je peux pas trop comparer. D'accord. Mais j'ai l'impression que, tu vois, quand tu perds en quart à l'Euro avec l'équipe que t'as, c'est quand même étonnant. Thiago Camara qui est pas appelé alors qu'il fait une saison, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'OM. Tu te prives d'un joueur comme ça, c'est étonnant aussi. Pour toi, il méritait clairement d'être appelé. Ah oui. Tu joues à l'OM. C'est pas comme si tu me dis tu prends un joueur de, sans dénigrer, mais de Toulouse ou de Dijon ou de. Tu vois ce que je veux dire? Tu es l'un des meilleurs joueurs de l'OM. Tu as 21 ans ou 22 ans, je sais pas, je me rappelle plus quel âge là. Et tu le prends pas en équipe espoir. C'est bizarre. Après, on ne sait pas ce qui se passe pendant les rassemblements. Mais bon, en tout cas, je pense que le choix, il n'a pas été sur l'aspect technique. Ça me paraît inconcevable. Ah. Ou l'aspect qualité, je ne sais pas. Ça a été un peu bizarre, ce choix-là. Mais outre ça, voilà, au milieu, tu as quand même des gros joueurs. En défense, il y a des gros joueurs. En attaque, il y a des gros joueurs. Tu as une équipe complète. Plus complet que ça, tu ne peux pas faire. C'est comme l'équipe de France A cette année. Sur le papier, tu ne peux pas faire mieux. Et c'est vrai qu'après, tactiquement, ouais, c'est vrai que ce fut...
on va dire, moyen. Amaïs, vas-y, ouais. Vas-y. Mais j'avais une question, parce que là, on parle de technique, tactique, etc. Mais j'avais une question pour Stéphane, je ne sais pas s'il avait senti ça. Et je prends toujours l'exemple du tournoi, parce qu'à travers ce tournoi, j'ai l'occasion de parler à plein de joueurs, qu'ils soient français ou étrangers. Et justement, là aussi, j'ai constaté une différence de mentalité entre les Français et les autres. Pour certains Français, j'ai été étonné que parfois, des matchs en équipe nationale, ce soit des corvées. Alors que les autres nations, tu vois, on sent la fierté de représenter le pays. Est-ce que, justement, ce n'est pas l'un des facteurs qui fait que l'équipe de France a toujours eu des équipes exceptionnelles ces dernières années, mais au final, très peu de résultats? C'est possible. Après, honnêtement, je peux pas te dire oui, c'est ça ou non, c'est pas ça, parce que je sais pas. Ouais, t'es pas dans la tête des gars. Les joueurs qu'il y a actuellement en esport, je les connais pas. Je suis pas avec eux pour vraiment te dire le ressenti que je peux avoir, etc. Donc, je sais pas. Mais c'est une question qu'on peut se poser, parce que je vais te prendre un exemple. Quand tu vois l'Italie à l'Euro, rien qu'à l'hymne national, et quand tu vois l'équipe de France ou d'autres équipes, tu te dis quand même qu'il y a une différence de motivation. Tu vois, tu les vois sur les terrains, en termes de solidarité, en termes d'efforts, en termes de dépassement de fonction. Tu prends l'Italie et d'autres équipes de l'Euro sans cibler la France. Tu te rends compte quand même qu'il y a des nations qui sont beaucoup plus impliquées que d'autres. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Après, est-ce que c'est la bonne question? Je ne sais pas, mais bon, c'est discutable. Azir, tu as une question? Tu veux revenir là-dessus ou sinon on enchaîne? Oui, justement, toi, vas-y. Au moment où tu étais en équipe de France de jeunes, est-ce que tu l'as ressenti, justement? Parfois, de la part de certains joueurs, un manque d'implication, et comme pour reprendre les termes d'Amaïs, que pour certains, c'est une corvée d'être présent lors de ces rassemblements avec les équipes de France de jeunes. Non, je ne l'ai pas senti, parce que comme je te disais, nous, on était vraiment une équipe de collègues. Et pour être totalement honnête, je pense que notre équipe qui gagne le tournoi Toulon, en termes de qualité, elle était nettement moins forte que l'équipe Esport actuelle. Mais pourtant, au tournoi Toulon, on a terrassé tout le monde. On était les plus jeunes et pourtant, on a bouffé tout le monde. Et je me rappelle même qu'en finale, on perd 1-0 à la mi-temps, je crois. Et dans la mi-temps, moi, j'étais capitaine, je rentre et je me prends la tête avec plein de joueurs. On s'engueule dans le vestiaire parce que justement, moi, ça ne me convenait pas ce qu'on faisait sur le terrain. Et les autres, ça ne convenait pas que moi j'ouvre ma gueule, etc. Et on s'est dit les choses en face, on est rentré dans la mi-temps, on a gagné 3-1. Donc l'implication, elle y était. On était tous motivés, on était tous impliqués pour le même objectif. Et voilà, donc moi je ne l'ai pas ressenti à l'instant où j'étais avec les U21. Après, quand tu arrives en esport, c'est vrai que tous les joueurs, ils sont en club, ils sont en pro. C'est notre dimension. U21, tu es jeune pro. Voilà, ça n'a rien à voir entre les U23 et U21, ça n'a rien à voir. Parce que les statuts, ce n'est plus les mêmes. Donc après, je ne sais pas s'il n'y a pas des joueurs qui y vont et qui n'ont pas spécialement envie d'y aller ou pas. Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai eue, je n'ai pas senti des joueurs qui étaient un peu dégoûté d'arriver en équipe de France et de faire le tour de Toulon en pleine vacances. Amaïs, en tout cas, ça s'est vu sur le terrain, justement. Voilà, après, c'est le terrain qui parle, de toute façon. Amaïs, je te remercie d'avoir été avec nous. Je sais que tu dois partir. Tu dois toi aussi vaquer à tes occupations. On est là comme des fois, 23h25. Il va rester que moi et Azir Azir et moi à la fin de ce live. Et moi, après, je vais devoir y aller parce que demain matin, j'ai l'entraînement. Et bien sûr, non, mais franchement, c'était très intéressant. Comme on dit dans le milieu, Stéphane, c'est un super client. À un moment, je me suis régalé. En tout cas, j'espère que c'est le cas de tous les auditeurs, les intervenants. Amaïs, tu nous as régalé aussi. J'espère qu'on te reverra rapidement, que ce soit en vrai, maintenant qu'on peut sortir un peu plus, avant que le Delta nous arrache. Et j'espère qu'on pourra aussi savoir sur les réseaux sociaux et que tu feras encore plein d'autres apparitions avec nous sur ce Space 013, qui est né sa Kassa, première apparition. Bah écoute, j'espère avoir fait mes preuves et que 13 va me réinviter. Tu déroules, contrôle, passe, changement d'aile et tout, tu déroules. Tu fais le jeu, bravo à toi Maïs, c'est bonne soirée. Bonne soirée, salut tout le monde, ciao. Bah t'inquiète Stéphane, on va finir dans pas longtemps, il y aura l'instant vérité. Et Azir est avec moi. Oh Azir, il est parti. Ah non, Azir, il est là, c'est bon, Azir, il est là. Ah, c'est bon. Et on t'entend très bien Stéphane aussi, on sent que c'est la nuit, que c'est le calme, ça y est, que tout le monde est rentré. Je peux revenir à la normale. Est rentré à la maison, exactement. On va finir par trois choses. Il y aura l'instant vérité, il y aura ton équipe chip, voilà les joueurs qui t'ont le plus impressionné. Et voilà, on finira comme ça, tranquillement, avec ces deux rubriques-là. Il y avait un quiz de prévu, mais voilà, on va se calmer, on va pas te faire le quiz.
on va se c'est détendre ça. Parce que je ne veux pas te mettre dans la sauce, tu vois, sur la première. On va y aller doucement. En tout cas, gros merci. Je vais lire les commentaires rapidement. Il y en a un de Junior qui nous dit. Alors, il nous dit il y a moyen d'entendre ta voix. 13-0-13, Junior dit ça. Donc, 13-0-13 n'a pas de voix, il n'a pas de corps, il n'a rien. Il n'a pas d'œil, il n'a pas de nez, il n'a rien. C'est comme les mannequins de Bielsa. On ne peut pas l'entendre, mais en tout cas, c'est lui qui est à la base de tout ce projet. Et Alex qui nous dit c'est la première fois que je passe sur un Space 013. Et c'est tellement intéressant, merci Alex, donc avec le arrobase gloire ou l'asile qui nous suit. Et c'est franchement un grand plaisir de vous avoir sur ce live. On n'a pas trop parlé de ta période portugaise, t'en as parlé en première partie. Et voilà, on va passer à l'instant. C'est pas le plus important. Ouais, mais quand même, tout compte quand même dans une carrière. Et ce sont des années, je pense, qui ont dû compter pour toi ces 3 années. C'est une expérience, ouais, c'est une bonne expérience aussi. Ouais. C'est ça, c'est 4 années, hein, t'as fait 4 ans au Portugal ou 3 ans? Ouais, j'ai fait 3 ans à Boavista et 1 an et demi, ouais, le Covid, du coup, ouais, la saison dernière à Villafranca, que je compte pas l'année Covid parce que j'ai fait que 2 matchs. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai, ouais, 4 ans à peu près. C'est vrai que c'est dans la ville de Lisbonne, hein, c'est ça, c'est dans le district. Ouais, j'ai fait Boavista à Porto et Villafranca à Lisbonne. C'est ça, Villafranca, c'est dans le district de Villafranca de Chira. Voilà. Villafranca, ouais, c'est à ça. 20 minutes, c'est comme je dirais Aubagne et Marseille. Ça voilà, va, ça passe bien, la ville est tout là-bas. Bien. Eh, franchement, j'étais plus à Lisbonne qu'à Villa. Oui, non, je te parle de Lisbonne. Hein. Mais non, ça va, c'est calme. Non, Lisbonne, c'est cool. C'est cool. Bah, c'est une capitale, donc tu as tout. Hein. Mais c'est cool, c'est tranquille et tout. Pas d'insécurité. La vie, elle est moins chère. Non, franchement, c'était cool. Est-ce que tu restes avec nous? Tu vas t'accrocher, c'est parti pour l'instant vérité. Donc du coup, 13 questions sur lesquelles tu dois répondre brièvement et tu as le droit d'utiliser seulement et seulement un joker, c'est bon? Allez, je me prête au jeu. Je vais essayer de ne pas utiliser le joker. On va voir, ça dépend des questions. Ça dépend des questions, parce que je sens qu'il y a des questions. Tu ne me connais pas, le vicieux que je suis. Allez, vas-y. Allez, c'est parti pour l'instant vérité. 13 questions. Ta ville de kiff, ta ville de cœur, mais à part Marseille? Ma ville de cœur? Ouais. Tu peux dire, j'en ai pas. Non, à part Marseille, vraiment, là, je pourrais pas te dire de nom. J'aime bien Nice, tu vois, sur la côte, mais sinon, j'ai pas de ville vraiment par Marseille. Ton club préféré, sauf l'OM, à part l'OM. C'est compliqué, parce que moi, je suis un grand fan du Real Madrid, parce qu'il y avait, la base de Cristiano Ronaldo et Ramos. Et là, le problème, c'est que quand je vois Ramos au PSG, ça me fait un mal au cœur énorme. Énorme. J'aime bien du coup, que... ouais, je reste sur le Real Madrid, mais... Ouais, Real Madrid. Ta musique du moment? Ma musique du moment... Donc, t'as le plus fait kiffer dans ta vie, une musique qui te vient en tête, là. Non, en ce moment, j'en écoute une. Alors, attends. Late and Night. C'est qui chante ça? Alors, attends, le chanteur... Je pose des questions en musique, je ne m'y connais pas, je suis un monstre. Late and Night. Attends. C'est Azir, toi, tu peux nous dire. Alors, c'est Roddy Ricch. D'accord, ben voilà, je la mettrai. Juste avant de dormir, je la mettrai pour voir tes goûts musicaux. Allez, tranquille, avant de dormir, c'est parfait pour dormir. Ah ouais? Ah ben, parfait. Parfait, ça te fera la transition. Ton film coup de cœur. Ah, putain, mon film, alors moi, je ne regarde pas trop de films. Ou ta série, ou un film qui t'a le plus marqué dans ta vie? Ah, dans ma vie ou récemment? Ouais, non, n'importe. Non, la série que j'ai kiffée, c'est Power. C'est Power. Power? Ouais, avec Ghost et tout. Là, oui, bien sûr, je connais. Tu connais? Oui, voilà. Power, ça a pris tout le monde. Ça a pris tout le monde. C'est un délire, cette série. On va enchaîner, là, il va falloir mettre de l'intensité. Là, ça y est, on passe à la méthode Bielsa, il va falloir répondre très vite. Ton repas préféré? Mon repas préféré avec Bielsa? Là, on est sur la méthode Bielsa, c'est-à-dire on va mettre de l'intensité dans le jeu. Ton repas préféré? Pâte à la truffe. Ok. T'es plutôt au voyage au Mexique, soleil, plage, un peu calé tranquillement, ou vacances en famille à la Bretagne, à la Toulalan? Non, Mexique. L'OM, le joueur pardon, de l'OM le plus fou avec qui tu as joué? Gignac. Dis-moi le joueur le plus généreux et le plus radin. Ça, c'est une question. Le plus généreux et le plus radin? Franchement, radin, je n'en ai pas vu. Okay. Des radins, je ne le compte pas comme un joker parce que je suis gentil, mais ok, vas-y, enchaîne le plus généreux. Généreux, Alessandrini. Ok, le plus et le moins technique du coup. Envoie. Le plus technique, j'aurais dit Payet. Mm-hmm.
et le moins technique, c'est pas une reproche. Hein. Mais je pense que vu l'effectif, ça aurait été Jérémy Morel. Ok. Ok. En termes de technique pure, voilà, quand on parle Payet et Pourel, ouais, mais c'est vrai. Le chien Azir rigole. Azir, à cause de toi. Non, mais non, Stéphane, il n'y a rien pour toi, mais à cause d'Azir, on ne va plus avoir d'invité. Azir, comment ça se passe, s'il te plaît. Voilà. Non, ce qui m'a tué. Non, mais c'est. Non, je... Mais il a muté tellement, il a muté. On va continuer. T'es plutôt la Marseillaise ou aux armes. Quoi, attends, c'est-à-dire la Marseillaise. En termes, mais la Marseillaise, l'hymne de la Marseillaise ou le chant qui t'excite le plus, c'est le aux armes des supporters olympiens. Ah non, c'est le aux armes. Le aux armes. Ouais. Au vélodrome, là, non, c'est le aux armes. T'es plutôt Ribéry ou Nasri? Putain. Tu peux, il reste 2-3 questions, tu peux envoyer le joker. Hein. Nasri. Donc du coup, Michel ou Bielsa, j'ai la réponse. Bielsa. Tu préfères faire ton jubilé au Parc des Princes ou perdre 4-0 en finale de Coupe de France face à Lyon? Joker. Elle est vraiment pas mal, celle-là. Elle était vraiment... Non, Joker, ça c'est les questions de dilemme, ça. Ça, c'est quand tu fais les questions de dilemme, là, que tu es obligé de répondre à une merde. Mais tu sais quoi, j'avais misé sur que tu me sortes le Joker juste avant, mais tu... Ah, c'est obligé, je fais pas, là. La vérité, tu t'en es bien sorti, franchement. Dans tous les cas, je me fais frapper à Marseille, dans tous les cas. Non, ça va, on insulte, on frappe pas, on frappe moins qu'on insulte. Ouais, insulté. En tout cas, dernière question, c'est la dernière question de remplacement, additionnel, pardon. Passes-tu un bon moment avec nous? Énorme, franchement, je kiffe. Vraiment. Nous aussi, on va... Merci pour l'invitation et ben, j'espère que les participants se régalent aussi, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci à toi. Franchement, au niveau de ta disponibilité, au niveau de tout, on va te laisser partir. Juste par contre, tu vas nous dire ton 11 type. Tu nous l'as déjà mis. Je ne sais pas si vous le voyez. On va le mettre. Alors, je dis la vérité, ce n'est pas moi qui gère ces 13. Donc, je ne sais pas si on peut le mettre en haut. En tout cas, Azir, est-ce que tu l'as reçu, le 11 type? Ouais, il l'avait mis au début. Non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas reçu, mais regardez, allez sur le maintenant, en même temps que vous écoutez le Space, allez sur la page de 13, du coup, vous allez voir le 11 chip de Stéphane Sparagna. Donc, tu veux que je le dis moi ou tu veux le dire toi? Alors, si je m'en rappelle, j'ai Mandanda au goal. Exactement. Aguilar à droite. Ouais. Ruben Aguilar. Kimpembe, hein. Ruben Aguilar, ouais. Kimpembe, Nkoulou dans l'axe. C'est ça. Ben Mendy à gauche. Ouais. Au milieu, j'avais mis Imbula et David. J'avais mis Payet. Mmh. À droite, j'ai mis Lemar et à gauche, Tovin. C'est ça. Et en pointe, Michy, me semble. C'est ça, Michy Batshuayi. Et le coach, t'as mis du coup? Et Bielsa, automatiquement, j'ai mis Bielsa. C'est ça. Donc ça, c'est le 11 chip avec lequel tu as joué. Donc toi, joué, Azir, ouais. Beau 11, non? Bah, très, très beau 11. Très, très beau 11. T'as de la gueule quand même. Ah, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je me suis mis sur le banc, mais il n'y avait que 11 joueurs, mais je me suis mis sur le banc, moi. Il n'y a pas le nom. J'allais te dire ça, tu te mets pas un peu dans la charnière, tu fais sauter Kimpembe. Ouais, c'est dommage. Ah, mais il m'a dit les joueurs avec qui j'ai joué, sinon je me serais mis à... Ah, et à la place de qui? Tu fais sauter qui, vas-y. Là, c'est là, la question. Là, c'est déjà pas de joker. Mais... Non, allez, je me mets à la place de Nico. Nico, il a fait son temps et tout. Il peut se retirer tranquille, Nico. Mais quelle forme la charnière centrale qui a permis à l'équipe de France de remporter le tour de Toulon. C'est le vélo, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ouais. Et justement, parmi cette équipe, tu vas me dire le joueur qui t'a le plus impressionné de cette équipe déjà, et des joueurs passés par l'OM quand tu étais en centre de formation, mais qui n'a pas percé, qui t'a le plus impressionné. Donc on commence sur le 11 chip, voilà, lequel t'a le plus impressionné que tu as mis? C'est Imbula. Ok. C'est quoi chez lui que t'as impressionné? Imbula, je crois que c'est le joueur, en une saison, je lui ai jamais pris un ballon au pied. Non. Vraiment. C'est quoi, il voyait avant, il arrivait à avoir ce contrôle orienté toujours de... Le contrôle orienté, le coup de rein, il avait une sorte de contrôle, tu sais, il laissait passer le ballon, il faisait feinte, une genre de feinte, et au dernier moment, il faisait le contrôle opposé. Ouais, je vois bien, ouais. C'est la spéciale Imbula, celle-là. C'est vrai que... Non, Imbula, c'était quelque chose. Bon, c'était énorme. Ah, ce joueur, c'était énorme. Mais il y avait Payet aussi, c'était énorme. Il y en avait beaucoup, mais Imbula, c'était... Non, mais ces joueurs-là, l'entraînement, tu vois, ça arrive. Des entraînements, t'es pas trop dans le coup, t'as pas bien dormi, ou voilà, pour des raisons personnelles ou autres. Et que tu te farces un Imbula de bon matin ou un Payet de bon matin, ça doit rendre fou, non? Ah, c'est chiant, mais soit tu y vas, mais vraiment, tu fermes les jambes et tu restes à 1 mètre histoire de pas te faire passer. Ouais. Soit tu y vas et tu l'envoies en l'air, mais généralement, ils n'aiment pas ça.
ou soit tu vas pas du tout. Vraiment, tu vas pas du tout, tu restes en retrait. Et parmi les joueurs que tu as avec lesquels tu as joué au centre de formation et qui n'a pas percé, lequel t'as le plus impressionné et tu te dis putain, c'est un truc de fou, il a pas percé celui-là. Putain, franchement, le seul là qui me vient à l'esprit, ça serait en termes de qualité, ça serait Jonathan Santiago. Ouais, le gaucher. Je pense que c'est un nom qui revient souvent dans ce type de questions, hein, parce que voilà, ça faisait partie des joueurs à très fort potentiel. Et après, ça l'a pas fait arriver en haut. Donc, ouais, c'est le Jonathan Santiago. Ouais. Ok. Et du coup ouais, c'est le joueur voilà qui on va dire qui t'a le plus impressionné. Voilà, il y aura pas de questions. Ouais. Il y aura pas de questions sur la fin. En tout cas, franchement, Stéphane, je te remercie rapidement. Donc sur l'Euro, ouais, sur l'actualité, l'Euro 2020, on va dire le recrutement de l'OM et voilà, tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, l'Euro 2020. Quelles sont les équipes qui te font le plus kiffer? T'en as parlé en première partie. Si tu peux nous dire un peu l'Euro que tu vis. Ben moi, bon, après j'ai regardé sans regarder. Ouais, voilà, ouais. J'ai regardé l'équipe de France. J'étais un peu déçu dans l'ensemble de l'équipe de France. Mm-hmm. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais en même temps, je n'étais pas étonné. Tu vois, c'était dès le début de l'Euro, j'avais dit que l'équipe de France n'irait pas loin. Okay. Ça, je le sentais. Mais il y a eu des surprises, soit comme la Suisse, comme le Danemark. Ça a été des grosses surprises de ce tournoi. Mm-hmm. Et j'étais vachement impressionné par l'Italie. Franchement, tactiquement, l'Italie, en termes de solidarité, de même de sérénité, de ressortie de balle et tout, je trouve que c'est hyper propre. Mmh. Et l'Espagne aussi, Espagne-Italie, je l'ai regardé. L'Espagne, je n'étais pas fan au début. Mmh. Je trouve qu'ils ont mis du temps à se mettre dedans. Et contre l'Italie, c'était vraiment un match, un gros match, et vraiment un match beau à voir, voilà, avec de l'intensité, deux équipes qui jouent au ballon, qui ne restent pas derrière et tout. Je me suis régalé. Mais ouais, je pense que l'Italie, c'est quand même l'équipe la plus performante et la plus solide dans ce tournoi. Un pronostic pour cette finale ce dimanche entre l'Angleterre et l'Italie? Franchement, j'hésite entre le match nul et penalty. Mm-hmm. Ou alors je vois bien un 2-1 pour l'Italie. Ouais, je t'écoute. Ouais. Je vois bien ça, tu vois. 2-1 pour l'Italie. Plus pour le 2 italien, ouais, je vois plus le 2-1, je sais pas. Ah, c'est bien, non, c'est bien, c'est un petit pronostic, moi, ouais, je vois comme toi. J'aurai un 2-1. Après, j'espère ne pas me tromper. Honnêtement, j'espère que ça va. Histoire de fêter quelque chose cet été. C'est vrai, gentiment. Et t'as le cœur qui parle. Et rapidement, sur le recrutement de l'OM, est-ce que t'aimes bien ce que fait Longoria, avec notamment l'arrivée de Gerson, de Conrad, de Guendouzi, de nombreuses recrues à l'Olympique de Marseille, de Under, le Turc aussi. Est-ce que tu suis ce que fait l'OM actuellement? Est-ce que t'aimes bien Longoria, la nouvelle direction? T'en penses quoi? Ouais, je suis. Après, bon, la nouvelle direction, je trouve qu'ils sont un peu manqués dans la communication dès le début. Quand ils parlent de Champions Project et que tu galères depuis quelques années, je trouve qu'ils auraient dû y aller un peu plus humblement, avec plus d'humilité. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais là, en tout cas, pour l'instant, pour le recrutement, ce mercato, je trouve qu'il ne bouge pas. Je trouve qu'il n'y a personne qui bouge. Et là, en une semaine, il a fait signer quand même 4 ou 5 joueurs, là, des jeunes à fort potentiel. Hein. Après, ce qui me fait peur, c'est que là, avec l'année un peu compliqué qu'on a passé à l'OM en termes de résultats et de jeu, j'espère qu'ils ne vont pas se tromper en termes de recrutement, parce que les supporters, à mon avis, ils vont les attendre au tournant. Donc voilà, en termes de qualité, le recrutement, c'est voilà, Gerson, c'est du haut niveau. Conrad, je ne connais pas, je n'ai jamais vu Gerson jouer. Tu le connaissais, toi, avant qu'il arrive? Non, j'en D'accord. ai parlé un peu avec des Brésiliens là, qui m'ont dit que c'était un bon joueur. Okay. J'en ai parlé un peu, j'avais parlé de Luis Enrique aussi, qui m'avait dit qu'à l'époque, au Brésil, c'était quand même, pour son âge, c'était un gros talent à fort potentiel. Donc après voilà, c'est le temps d'adaptation, à voir comment ils vont réagir les joueurs. Après, j'ai peur que ça soit peut-être un peu trop jeune, tu vois. D'accord. J'espère qu'ils vont les encadrer avec des vieux, voilà, pour avoir un peu de mixité dans l'équipe, parce que c'est important d'encadrer les jeunes avec des vieux, tu vois, comme Rami par exemple. Rami, je trouve que c'était un bon élément dans le groupe en termes d'encadrement, comme même Patrice Evra, tu vois, alors avec ses défauts, mais je pense que dans le vestiaire, c'est un bon mec à avoir, tu vois, pour encadrer les jeunes et pour les recadrer, comme Las Diarra. J'ai eu une question tout à l'heure, on m'a demandé Las Diarra, dans le vestiaire, c'était le papa poule des jeunes, tu vois. Il te recadrait, tu disais fais ci, fais ça, faut faire ci, faut faire ça, fais comme ci, fais comme ça. Voilà, je pense qu'il faut encadrer ces jeunes, parce que ça, c'est des jeunes à fort potentiel,
Mais si tu les encadres avec des vieux briscards là, qui ont de la bouteille et qui vont les accompagner dans leur progression, je pense que c'est intéressant et ça peut que les rendre performants. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas déçu. On a eu la signature hier, aujourd'hui, officiellement, de Sergio Ramos au PSG qui s'engage jusqu'en 2023. Est-ce que pour toi, ce fut le meilleur défenseur de ces 10-15 dernières années? Est-ce que tu te comparais à lui, pas vraiment une comparaison, mais est-ce que tu l'observais beaucoup pour changer ton jeu ou améliorer, on va dire, tes défauts? Ah oui, clairement. Ben moi, mes deux références en niveau football, c'est Cristiano Ronaldo par par rapport à l'athlète, le travail que c'est. Et à mon poste, c'était Ramos. Voilà, mon poste, c'était clairement Ramos. Et ça m'arrivait de regarder des vidéos de lui, de m'inspirer de lui, de m'inspirer aussi un peu de Van Dijk. Voilà, c'est des défenseurs qui m'inspirent et que j'aime voir jouer. C'est quoi qui t'impressionne le plus chez eux? C'est quel aspect du jeu et quel aspect mental? Ah, c'est pas les mêmes joueurs, tu vois, mais dans l'agressivité, dans l'anticipation, dans le placement, dans la sérénité, même dans l'esprit, tu vois, de compétition, toujours la gagne, l'envie de gagner et tout, surtout chez Ramos. J'aime bien ce côté, tu vois, cette grinta et tout, j'aime bien ce côté de ces joueurs. Azir, est-ce que tu as une question à poser à notre invité avant qu'on s'en aille, avant qu'on quitte ce magnifique Space 013? Non, pas forcément une question à poser, mais en tout cas, vraiment un grand, grand merci parce que, voilà, pour sa disponibilité, pour sa précision, notamment sur son passage à l'OM au moment où Bielsa est présent. On sait que voilà, on a toujours beaucoup de questions par rapport à ce moment fort de notre vie de passionné de football. Et vraiment, vraiment un grand merci par rapport à sa disponibilité, sa passion, sa précision dans ses réponses. Si tous les footballeurs professionnels pouvaient avoir la même capacité à s'exprimer sur des moments forts, parce qu'on veut que avoir des informations sur le jeu, on veut apprendre, on est toujours dans cette phase d'éducation par rapport au foot. Et donc grand, grand, grand merci à lui, un vrai, vrai plaisir à l'écouter et à échanger avec lui. Merci, un plaisir partagé, merci à vous. Stéphane, je voulais te dire un truc, je te jure, ça m'a sorti l'esprit. Oui, voilà, donc tu es en charge de club, voilà, ça c'est la dernière question. Ouais. Donc là, actuellement, je suis en... Tu fais ma promo aussi. Eh oui, l'autre, Idriss, il est venu, il nous a fait la promo de passe ton ballon. Là, chacun nous a vendu son micro-ondes, donc maintenant, vas-y, va. Tout le monde, pourquoi pas moi? Plus sérieusement, de savoir ce que tu vises, voilà, t'es quand même jeune, t'es né en 95, donc si je compte bien, ouais, ça fait 26, c'est ça? Est-ce que je compte bien? C'est ça, 26. Ouais, 26 ans, donc t'es en pleine bourre. Physiquement, physiquement, tu m'as dit que tu t'entraînais. Tu vises quoi? Nickel, tout va bien. Une Ligue 2 française, c'est ça? Une Ligue 2 en France? Ouais, Ligue 2 française, Ligue 2 italienne. Peu importe, en fait, un club où plus regarder qu'au Portugal, tu vois, en Europe, pour me refaire voir au niveau de l'Europe, de la France, Espagne, Italie, etc. Une Ligue 2, parce que Ligue 1, c'est peut-être... j'ai besoin d'un palier, tu vois, en sortant du Portugal. Je pense que j'ai besoin d'un palier pour m'évaluer, déjà, et pour voir ce que je peux prétendre à l'avenir. Mais ouais, une Ligue 2, ça serait pas mal, une Ligue 2 pour... T'as eu des approches actuellement? Non, là, ben, je te dis, le mercato, là, il se passe rien. Ouais. Il se passe rien du tout. Non, mais c'est vrai. C'est catastrophique. Du coup, dans l'attente, voilà, je me prépare, je me tiens prêt. Et à voir, voilà, mais il me faut un coach ou un club qui me fasse confiance et qui me tende la main justement pour que je puisse faire mes preuves. Donc voilà, on perd pas espoir, on reste patient, on s'entretient, on travaille et voilà, on reste positif. Je pense que c'est le principal dans ce genre de moment. Je te remercie Stéphane. Je suis totalement d'accord avec Azir, que je remercie lui aussi pour cette participation sur ce Space 013, le premier du nom. Et je remercie aussi Amaïs qui était avec nous, ainsi que notre ami Thomas Bonavent du Winamax FC 13013, qui est à la base de ce projet, de ce Space. Je te remercie grandement, enfin gros câlin, gros câlin à toi pour tout ce que tu fais, continue. Et voilà, on est ensemble la team, merci à tous ceux qui nous suivent. Stéphane, bravo à toi pour le moment qu'on a passé avec toi, c'est passé hyper vite. C'est passé vite. Franchement, tu as nos femmes, peut-être toi c'est ton équipe, moi c'est ma femme qui va me maudire, mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir d'avoir échangé avec toi. Tu es dans la région, donc n'oublie pas, on te paiera un verre, c'est promis, parce que tu as raté celui avec tes collègues. Franchement, merci beaucoup. Pas de souci, il n'y a aucun problème. Merci encore.
Les gars. Ouais, merci à vous. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous ceux qui nous suivent. Vincenzo, Nas, Sharaf, Beka et tous ceux qui nous suivent. Samir aussi était présent avec nous. On remercie Axel qui a eu son petit moment de parole aussi. Un plaisir. Suivez-nous, restez connectés, restez branchés. Il y en aura d'autres et on espère de la même qualité qu'avec Stéphane Sparagna, l'invité du jour. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao les amis. Vous aussi. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.